Shalawama, Shalawam, Seldjonim, j'espère que vous allez bien. Mes salutations. Je vais bien par la grâce tout-puissant. J'espère que vous allez tous bien et que le Seigneur, le tout-puissant, le Créateur, en son Fils bien-aimé, le Mashiach, le Messie, agit dans votre vie, selon ses promesses, selon ses promesses. Pour son héritage, pour les peuples qui est rattaché à son héritage, qui est l'Égypte et la Syrie. Ce sont des choses écrites, hein. Je n'invente rien. Et pour le reste, il fait miséricorde à qui il veut, mais sachez que déjà pour son héritage, dans son peuple, il va prendre déjà un reste. Donc, il faut être logique. Et puis, ceux qui passent par des moments difficiles, je ne sais pas si je l'ai dit, j'espère que le Tout-Puissant, si vous êtes à lui, en Christ, ait pitié de vous. Parce qu'en fait, il respecte ses promesses, ça c'est sûr. Puisqu'il a dit, puisqu'il est écrit comme ça, méchants sont comme les hommes, ils savent donner des bonnes choses à leurs enfants. Donc, je paraphrase un peu. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de doute à avoir. En revanche, c'est qu'il y a plein de fables qui circulent et des gens se prétendent être ceci ou cela alors que c'est faux. Ou alors ils écrivent leur propre Bible parce qu'en tout cas, mais on va en parler, on va en parler. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler de ce qui m'intéresse vraiment, par la grâce tout-puissante, de la loi. Et d'ailleurs, je suis surpris que lorsqu'on parle de ça, il y a des gens qui sont toujours étonnés qu'on parle de la loi, mais on est dans un monde où il y a des lois partout, naturelles, des lois de la nature, des lois physiques, des lois civiques, il y a des lois partout. Mais dès qu'on parle de tout-puissant, ah non, 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 faut pas parler! Donc il y a quand même un problème déjà à la base, hein, à la base. Mais on va voir si le Tout-Puissant le permet. Je pense que je vais le faire en deux parties, peut-être en trois, je sais pas. Mais ça c'est que une introduction. Mais ça va donner les bases, en tout cas, de ce que nous pensons et de ce que je pense vraiment. Et à ce moment-là, on verra. Mais on va aller étape par étape. Il y a deux petites choses que je voulais dire. J'ai appris un truc qui s'est passé notamment en France. Les deux trucs sont en France. Et qui dit, moi j'habite pas en France. Hein. Et qui dit, je pense que la chanteuse s'appelle Anna Camara. Enfin, en tout cas, elle est malienne. Et elle a été naturalisée française en 2021. Mais c'est quand même la plus grosse vendeuse de musique française. Donc, on lui a proposé, apparemment, avec les JO qui va se passer en France, de chanter une chanson, la chanson d'ouverture, un truc comme ça. Et alors, effectivement, c'est du racisme. On va aller vite parce que moi, j'ai pas tellement de temps avec ça, c'est du racisme. Mais pour les gens qui continuent à dire, non, tu sais, John, on est tous des enfants du Seigneur, arrêtez, arrêtez. C'est du racisme. Et pourquoi je dis racisme et pas discrimination? C'est parce que les propos a montré que c'est du racisme, enfin que c'est une discrimination, mais comme le système entretient ça, parce que c'est sorti comme ça, les gens qui disent ça, ils sortent pas de notre système. Donc c'est ça qu'on appelle le racisme. Mais il y a eu de la discrimination déjà, pour être tout à fait honnête, sur d'autres artistes qui n'étaient pas mélanodèmes, qui n'étaient pas noirs. Donc de ce point de vue-là, c'est de la discrimination. Mais comme c'est un système, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, il y a un passé, il y a tout, il y a tout, c'est du racisme. Voilà, c'est du racisme. Mais c'est pas ça qui m'a intéressé. À la limite, c'est bien fait pour elle, parce que peut-être elle se faisait des illusions, mais à la limite, c'est pas ça mon problème. C'est pas ça mon problème, et je sais que quand il y a des choses comme ça, c'est très frustrant. Donc, de ce côté-là, je peux comprendre ce qu'elle dit, comment elle vit ça. Je peux comprendre.
et arrêter les gens qui sont le coderme. Non, je comprends. Vous comprenez rien du tout. Et puis, je vous en veux même pas. Okay? Je vous en veux pas. C'est comme si tu me dis, est-ce que je peux, et c'est pas méchamment, hein, parce que je connais des locodermes à la limite, qui sont honnêtes avec moi, je suis honnête avec eux. C'est pas ça le problème. C'est pas ça. C'est que je peux pas m'imaginer ce que c'est de vivre dans la peau, quelqu'un qui a une peau, on va dire, blanche. Je sais pas. Donc il faut qu'on arrête. Ça ne veut pas dire que j'aime pas la personne ou que j'aime la personne. Donc il y a des choses qu'on peut pas. Et mais ce qui est intéressant, ce qui m'a plutôt intéressé, c'est le parallèle qu'on a fait avec la chanson. En plus, c'est pas fait, hein, mais la chanson qu'elle va peut-être chanter d'une chanteuse, d'une artiste, d'une saltimbanque qui est déjà morte, qui s'appelait, son pseudo, c'est Edith Piaf, Piaf, parce que son nom, c'est pas ça, mais je me rappelle pas tout ça. Et on a affublé, du moins, on a accusé cette femme, cette jeune femme, en fait, de ne pas chanter en français, de ne pas ceci, de que ça représente pas la France, etc. Mais il faut aller voir la vie d'Edith Piaf. Et puis ses textes, même si c'est pas elle qui écrivait ou c'est okay, peu importe, c'était pas Apollinaire, hein, c'était pas Montaigne, c'était pas Victor Hugo. Et dans ses textes, c'était pas la philosophie de Socrate ou de je sais pas qui. Je veux dire, il faut à un moment donné arrêter. En plus, elle avait l'accent, sans y être vraiment, d'une époque, quand tu la vois chanter tout ça. Bon, en fait, bref, on fait un procès à cette dame, à cette jeune femme. Et en plus, si tu vois la vie d'Edith Piaf, c'est plutôt l'alcool, bon, vie légère. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que on a mis ça, et en plus, on a parlé de la vie privée de cette dame, en disant qu'elle a eu des problèmes, elle avait des problèmes conjugales, des problèmes conjugaux avec son ex-mari ou son ex-copain, je sais pas quoi. Mais il faut parler de la vie d'Edith Piaf. Il faut arrêter. C'était loin. Je pense que cette dame, Anna Camara, un truc comme ça, là, c'est une sainte à comparer d'elle, d'Edith Piaf. En plus, elle traînait dans des milieux bizarres. Donc, il faut arrêter. Je dis, et ça, c'est ça que je comprends pas pourquoi personne ne dit rien. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un système raciste qui est là. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Parce que s'il fallait être. D'ailleurs, heureusement qu'il y a des gens qui étaient le colonel qui a fait arrêter ça. Mais le grand public ne sait pas, parce que il faudrait faire un truc pour dire. Mais en même temps, je comprends que c'est un peu difficile. Mais moi, c'est ça qui m'a interpellé, en fait. Donc, on fait passer Edith Piaf pour une sainte qui parlait parfaitement le français, qui écrivait très très bien le français, qui machin, tout ça. Mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Et je dis ça pour une dame qui s'appelait, qui est plus ou moins extrême droite, je ne comprends pas ce que ça veut dire d'ailleurs, ça, qui s'appelait Marion. Enfin, c'est une Le Pen. Marion Maréchal, un truc comme ça. Mais elle se fait passer pour quelqu'un qui connaît tellement les choses, là. Mais il faut nous dire qui était Edith Piaf avant de dire que l'autre ne parle pas, l'autre ne parle pas français, ne parle pas. Mais Edith Piaf, c'était qui? C'était pas Apollinaire, hein? C'était pas Victor Hugo, hein? Si je prends vos références, les références de textes soutenus, et c'était pas non plus Socrate, hein, la philosophie, tout ça, hein? C'est une saltimbanque. Et en plus, le fait qu'on a peut-être proposé ça, c'est parce qu'elle est la plus grosse vendeuse, c'est ce qui se faisait. Mais ils ont fait ça à d'autres artistes. Mais c'est simplement pour dire que faut relativiser les choses. Et c'est pour ça que quand tu relativises, tu comprends que les choses qui s'est passées, c'est la discrimination qu'elle fait, même certaines politiques, mais en fait, c'est du racisme, en fait. Et malheureusement, les soi-disant chrétiens mélanodermes
vont commencer à me dire non, tu sais, c'est pas un pro, on ne doit pas s'occuper de ça, on doit passer à la bande d'hypocrites. Si vous êtes des hypocrites, et puis si les choses changent par la grâce du Tout-Puissant, vous serez les premiers à dire oui, oh, nous on était des résistants, vous n'étiez rien du tout. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais dire. Et la deuxième chose, comme je vous dis depuis le départ, le problème c'est l'Afrique, hein, et notamment l'Afrique francophone. Hein? Et je tiens à préciser, moi je ne suis pas dans des mouvements politiques, de la politique, des trucs comme ça. Ma chaîne n'est même pas pour ça. Mais le Christ, c'est pas parce que lui, il était venu pour parler de l'évangile, de parler de cette chose. Mais c'est pas qu'il ne comprenait pas la politique, hein? Qu'il ne comprenait pas ce que c'était. C'est pas vrai, hein? Et on le résume en disant, quand il a dit à, je pense que c'était à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Et il a dit plus, à un moment donné, ce qui appartient à César, remet à César, etc. Donc, c'est pas que Christ n'était pas au courant de ce qui se passait. Donc, il faut arrêter ce genre de petit procès aussi. C'est un peu stupide. Donc, vous restez dans vos films pour ceux, les soi-disant chrétiens là, que j'estime qu'ils sont pas chrétiens. Et on va voir ça. Donc, c'était sur ça que, les gens comprennent pas pourquoi le président français a changé d'attitude. Non, il a voulu négocier au départ avec le président russe pour garder soi-disant ses intérêts. Parce qu'il faut comprendre le langage diplomatique. Quand il dit ses intérêts, c'est que la zone francophone, là, il estime que c'est à lui. Il n'y a pas de pays. Voilà. Donc, il a été négocié. Mais le problème, c'est que ça n'a pas marché. Bon, pour X raisons, ça n'a pas marché. Bon, on n'est pas, c'est pas une chaîne pour ça. Il y a plein de personnes qui vont essayer d'expliquer ça et vous vous démerdez avec eux. Donc, en fait, quand il a vu que c'est foutu, que c'est mort, quoi, en fait. Là, maintenant, il change de posture. En plus, il tient des propos, enfin, il tient des propos. C'est un truc que j'aime pas. Par exemple, tu prends deux pays, il y a un pays, on te dit, la personne est plus riche que l'autre. Par exemple, tu dis, tel pays fictif, hein, A, la personne gagne 2000 euros par mois. L'autre pays, la personne gagne 800 euros par mois. Et dans ta tête, tu vas penser que celui qui gagne 2000 euros est plus riche que celui qui gagne 800 euros. Forcément, tu vas penser à ça. Un mec, c'est un petit peu bourricot. Parce que, avec les 2000 euros, tu sais pas ce qu'il peut acheter chez lui. Et les 800 euros, tu sais pas ce qu'il peut acheter chez lui. Parce que c'est ça, le pouvoir d'achat qui compte. Parce que tu peux avoir, je sais pas, 2000 euros, et puis tu achètes, je sais pas moi, un caillou avec, tu peux rien acheter avec. Et l'autre, il a 800 euros et il peut acheter beaucoup de choses. Donc ça dépend. Ça dépend en fait. Et présenter la chose en disant que tel est plus grand que l'autre par rapport au PIB, par rapport à ceci, c'est prendre des gens pour des imbéciles. C'est prendre des gens pour des imbéciles, mais bon. Ce qui fait la richesse d'un pays, je vous dis franchement, c'est les matières premières. Dans une certaine mesure, la population et l'intelligence de la population. Le reste, c'est du pipeau. C'est du pipeau. OK? Donc, on va s'arrêter là. Je voulais partager ça parce que on ne peut pas dire qu'on croit en le Christ, que le Tout-Puissant ou le Père Céleste nous donne l'intelligence et puis avoir un pois chiche dans la tête. Ça ne va pas. Alors après, c'est pas, il y a le monde avec sa façon de voir qui n'est pas pareil que ceux qui croient en le Christ. Ça, je suis d'accord. Mais si l'intelligence de ceux qui croient en le Christ est plus haut que celui qui croit en le monde, ça veut dire que si tu crois en le Christ, tu peux m'expliquer ça. Si tu peux pas m'expliquer, oh, non. À moins que tu me dises non, je m'intéresse pas à ça, je m'intéresse pas à ci. Ben, comment tu vas faire pour avoir le discernement si tu comprends pas?
peux pas. En fait, c'est du pipeau, tout ton truc. Donc, tout ça pour dire que, voilà, ces deux trucs-là. Bon, il y a d'autres choses, mais je ne vais pas passer mon temps là-dessus. Les choses se passent au niveau céleste, au niveau spirituel. J'ai beau vous expliquer ça pour certains. Ne venez pas. Bon, je comprends la rhétorique de certaines personnes. Oui, mais Jésus, il est mon repos. Je m'en fous des jours, je m'en fous de ça, je m'en fous de là. Ouais, mais tu es dans une société, tu te lèves le matin pour aller travailler. Il faut que tu aies de l'argent, il faut que ceci. Alors, il faut arrêter de me raconter des bêtises. Il faut être sage, il faut savoir relativiser les choses. Au lieu de m'en balancer des slogans, qui la plupart du temps, vous l'expérimentez même pas. Donc, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, comme je disais, j'espère le faire en deux parties, mais c'est comme une grosse introduction, mais je vais parler de certains détails quand même. Et puis après, j'irai morceau par morceau. Mais, on va aller. Alors, ah oui, j'ai oublié. Je ne sais pas s'il y aura sa photo là. Je vais voir. Oui, alors lui, c'est Olivier, Monsieur Olivier. Je l'appelle Monsieur Olivier, c'est comme. Monsieur, c'est le diminutif de Monseigneur, hein, pour les gens qui ne savent pas et tout. Et Monsieur Olivier, c'est une marque d'honnêteté, enfin, une marque de respect. Quand on dit Monsieur, c'est une marque de respect. À l'origine. Donc, je pense qu'il habite, il habite au Canada. Lui, par contre, peut-être un jour, on va se rencontrer, hein, je ne sais pas. S'il habite dans la même zone que moi, tout ça, c'est possible. Alors là, il pourra renseigner aux gens si je suis obèse, si je suis blanc, si je suis petit. il pourra peut-être le faire, hein, je ne sais pas. Mais je pense pas qu'il est quelqu'un comme ça, mais si on se rencontre, on va parler correctement, hein, il n'y a pas de problème. Mais il a dit quelque chose. Alors, c'est pas une vidéo réaction sur ce qu'il a dit. C'est pas du tout ça. C'est parce que ça fait, pour ceux qui suivent un peu ce que je dis, ça fait des mois que je veux faire ces vidéos-là, mais il y avait d'autres choses. Il y avait d'autres choses à chaque fois, et je repoussais à chaque fois. Donc, ça a rien à voir avec ça. D'ailleurs, la plupart des réactions que je fais sur des vidéos, que ce soit de qui que ce soit, c'est parce que le sujet m'intéresse déjà. Okay? Je suis le justicier de personne, je fais le procès de personne, j'en ai absolument rien à faire. Okay? Donc, j'ai autre chose à faire, j'aime la vie, j'aime. Bref, je sais en qui j'ai cru. Voilà, c'est comme ça, et puis voilà. Mais on va commencer comme d'habitude. On va revenir sur ça. Au commencement, c'est marqué Dieu créa les cieux et la terre. Bon, là, c'est la version en 8 secondes, mais toutes les versions disent la même chose. Et je continue à dire que c'est pas jusqu'à preuve du contraire. Je continue à dire, ça, c'est une conception gréco-romaine, donc du catholicisme romain, et ses filles ont récupéré ça. Donc, une dénomination, ce n'est pas une question de nom, hein, c'est une structure, c'est une façon de faire, okay? Avec une doctrine à l'intérieur. Ça, c'est une dénomination. Voilà. D'ailleurs, le catholicisme romain, c'est une grosse dénomination. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans ça, on va pas rentrer dans la sémantique de ça parce que ça va faire une vidéo, donc ça m'intéresse pas. Pour l'instant, en tout cas. Au commencement, Dieu ici, si on dit en français, c'est Elohim. Et Elohim, c'est un pluriel. Alors, pour s'en sortir, ils disent que c'est un pluriel parce que ce Dieu-là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a tout fait et que il est pluriel. Il est tellement puissant, il est pluriel. Les autres ne le sont pas. Mais les mêmes, donc toujours avec la doctrine catholique romaine et tout ça, prétendent qu'ils ne sont pas polythéistes. Ils sont monothéistes. Ça veut dire qu'ils croient en un Dieu unique. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs problèmes là-dedans. Le terme Dieu, c'est un terme générique.
Et on verra par moment, je vais vous montrer des petites choses où des gens sont persuadés et qui ne sont pas et qui se disent pas catholiques ou romains directement. Ils sont persuadés que le verset qu'ils lisent, que les catholiques romains ont traduit, ou ses filles ont traduit, et lui croit dur comme fer que c'est ce qu'il dit qui est vrai. Il y a des gens vraiment comme ça. J'ai encore vu ça encore cette semaine. Mais quand tu vas dans l'hébreu, ou quand tu vas dans le grec ancien, ou dans l'hébreu ancien, c'est pas ça qui est écrit. C'est pas ça. Donc, le gars fait tout un truc avec ça, ou la personne fait tout un truc avec ça. Il passe sa vie à défendre cette thèse-là, alors qu'en fait, le texte original, c'est pas ça qui est écrit. Mais il pense toujours quand même que c'est nous qui disons n'importe quoi. Donc ça, c'est gênant en fait. Et vous allez trouver des gens qui vont dire, non, mais ça, c'est rien, le Seigneur va comprendre. Le Seigneur va comprendre. Ben, on n'a qu'à dire tout ce qu'on veut en fait. Pourquoi? Non, c'est ça le mensonge et c'est ça la perdition. C'est ce qu'on appelle la perdition ou l'égarement ou ce que vous voulez. Donc, ils viennent vous faire des supposés procès sur des fables, sur des dogmes qui est de la paille sur le plan spirituel, qui n'est pas de l'or en fait. Okay? Donc, ils auraient dû écrire, selon ce qu'ils disent, si c'est Elohim, ils auraient dû écrire, au commencement, les dieux créèrent au pluriel, les cieux et la terre. Bon, dans les langues anciennes, on va dire, le pluriel d'un verbe ou le singulier d'un verbe, si je peux m'exprimer ainsi, ça se distingue pas. Ça se distingue pas. Donc, ils auraient très bien pu dire en hébreu, au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. Si on le transpose en français, par exemple. Donc, ici, c'est quand même un problème, ok? Et quand on va dans le paradigme grec, Dieu, c'est Théos. Et Théos n'est pas le plus grand ni le plus haut. Par contre, lorsqu'on va, pareil pour les Romains, et c'est ça qui a donné Dieu en fait, c'est passé par Théos, qui a donné Dieu, non, ça a donné Déos, et qui a donné Dieu. Mais c'est avant de donner Déos, c'est passé par Zeus. Donc en fait, normalement, si tu es honnête avec toi-même, à chaque fois que tu dis Dieu, tu es en train de parler de Zeus. Tu n'es pas en train de parler du créateur de toute chose. Tu es en train de parler de Zeus et tu es en train de prendre ta référence ou ton référentiel chez les Romains. C'est pour ça que je dis que les Romains ont créé une religion qui s'appelle le catholicisme. Donc tous ceux qui passent leur temps à dire Dieu, à dire des trucs comme ça, pour moi, ils sont des catholiques romains. Okay? Et donc la personne peut s'en défendre s'il veut. Il peut dire, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Ben, tu veux pas, c'est pas grave. Mais c'est ça. Donc, ou alors, on aurait pu dire si on tient au monothéisme, parce que effectivement les Hébreux étaient des monothéistes, enfin les Israélites, en tout cas les Hébreux, au commencement, puisqu'on parle de la vie des Israélites là en fait, le Créateur des esprits créa les cieux et la terre. Et là, ça marche. Il y a plein d'endroits dans la Bible où par moment, on distingue Elohim et Eloah. Par exemple, pour les Grecs, non, pour les Égyptiens, lorsqu'on dit que le Tout-Puissant va faire le procès, en fait, va juger les dieux d'Égypte, c'est faux. C'est le terme Eloah qui est utilisé, c'est pas le terme Elohim. Et par moment, dans la Bible, là où ils ont écrit les dieux, c'est Elohim. Okay. Mais dans le contexte, on voit qu'il y avait plusieurs. Mais au niveau de l'Égypte, ils auraient dû dire
même s'ils veulent utiliser le mot Dieu, ils auraient dû dire le Dieu d'Égypte. Mais comme ils veulent faire croire que, puisqu'ils volent les choses, comme si ça va marcher, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. En fait, comme ils veulent faire une distinction entre les Israélites, parce qu'ils ont volé ça soi-disant, on ne peut pas voler ça en fait, mais bref, et les Égyptiens, donc ils disent les dieux d'Égypte et le Dieu, en mettant un grand D, des Israélites. Mais en réalité, non. Ils auraient dû mettre au commencement les dieux créés à l'essai de la terre et le jugement du dieu d'Égypte. Si on prend vraiment Eloah Elohim, ce qui fait que ça allait mettre à mal toute leur thèse, en fait, toute leur dogme et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé quelque chose. Voilà. Mais il faut le savoir. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais si dans quelques temps, si le Tout-Puissant me permet, je vais le faire. Et là, je vais rester dans mon couloir. Tac. Je vais vous montrer, tac, tac, tac. Sans partir dans beaucoup de choses. Ensuite, quand on va dans Jean 1.1, au commencement était la parole. La parole était avec là, ils disent Dieu. Et la parole était Dieu. Ici, c'est un autre commencement. Mais là, on parle de la parole. Et la parole, c'est pas. Comment je peux dire? C'est pas ce que disent les soi-disant chrétiens, là, que comme si Christ était la parole et puis se baladait et puis le reste était dans les cieux. Non, non, non. Ça, c'est des fables, ça. On acceptait que Christ était la parole parce que Christ n'a fait que répéter ce que son père lui a dit de dire. C'est comme un ambassadeur, quoi. Pardon. Comme un ambassadeur. Donc à ce moment-là, il faisait que ce que son père lui a dit. Donc il était la bouche de son père, en fait. C'est ça qu'on dit la parole, dans ce cas-là. Mais ici, c'est ce que les Grecs appellent le logos, la parole créatrice. Et pour, en fait, la parole créatrice, pour eux, c'était ça le créateur. C'est ça le créateur. C'est la parole créatrice. C'est pour ça qu'il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était le créateur. C'est un truc simple, en fait. Enfin, simple. C'est pas comme nous, parce que nous, on a un corps, on a ceci, on est comme ça. On a du mal à concevoir que la parole lui-même est le créateur. Mais on aurait très bien pu dire, quand on dit la parole, au commencement était la parole, au commencement était l'intelligence, au commencement était la sagesse, le commencement était la puissance. Voilà. Mais quand on parle de la parole, c'est elle englobait tout comme on dirait un fruit qui a des actions. Voilà. Donc c'est la parole. Mais ce commencement-là est différent de Genèse 1.1. Ce commencement-là, c'est vraiment l'origine de tout. Alors que Genèse 1.1, on ne sait pas, enfin moi personnellement, je ne sais pas combien de temps que ça qui s'est passé entre-temps, mais peut-être c'est des milliards d'années ou des millions d'années, je ne sais pas. Et à ce moment-là, le Tout-Puissant a décidé de créer les cieux et la terre. Donc il a créé des Elohim, des esprits, capables de faire ce qu'il lui veut. Voilà, c'est ça, pour faire simple. Ensuite, lorsqu'on va dans Lamentation 3.37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné, il faudrait tout lire. Hein. N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens, les malheurs et les bonheurs? Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? L'homme vivant ici, c'est, il faut bien comprendre que c'est le Créateur qui a donné la vie à l'homme, souffle de vie.
il dit que chacun se plaint de ses propres péchés. Et ici, péché, puisqu'on est dans l'Ancienne Alliance, c'est la transgression de la loi de Masha. Non, ce n'est pas parce qu'on est dans l'Ancienne Alliance. On est dans la période où la disposition de la loi de Masha est de vigueur. Et en vigueur, pardon. Et en vigueur. Ou est de rigueur. Donc, ici, on constate que c'est le Tout-Puissant qui ordonne les choses. Alors, le fait qu'il ordonne les choses, c'est comme dans Genèse 1:1, il va passer par des Élohim. Ça, c'est vrai. Mais l'Élohim ne peut pas faire la chose sans que le Tout-Puissant lui donne l'aval pour le faire. Il ne peut pas le faire. Dans les cieux, personne se rebelle contre le Tout-Puissant sans subir les conséquences. C'est sous la terre qu'il patiente, parce qu'il y a ses enfants qu'il doit sauver. C'est tout. Alors, et quand on va dans Amos 3:6, dans Amos 3:6, on dit, oh, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Tout-Puissant en soit l'auteur? Là, il parlait aux Israélites, mais sachant que, si on reste dans le contexte que, or, lui, il n'y a pas de Tout-Puissant, sachez que excusez-moi. Sachez que le bien et le mal, c'est lui qui le fait. Ça ne peut pas exister sans lui. Mais on ne va pas rentrer dans ça là, parce que ce n'est pas l'objet, ok? Ensuite, toujours dans la même logique, dans Proverbe 22:3, voilà ce qu'il dit. L'homme prudent, ça veut dire qu'il a quand même une certaine sagesse, voit le mal, donc il voit, donc il peut distinguer le bien et le mal, il voit et il se cache. Mais quand on dit il se cache, c'est pas qu'il va se cacher comme un petit peureux là. Non, il se cache, il se met en arrière parce qu'il va parler avec son Père, il va parler avec son Créateur, il va parler avec son Seigneur, il va parler avec son Rédempteur. Chaque mot que j'utilise là a un sens, hein. Mais bon, on va pas faire à chaque fois des vidéos sur ça. Donc, il voit le mal, donc il peut distinguer le mal. Mais les simples qui ne peuvent pas distinguer ni bien ni mal avancent et sont punis. Plaise au Tout-Puissant qu'il ait pitié de moi dans ça. Parce que les simples, c'est comme les ignorants, en fait. Okay? C'est comme les ignorants. Ça me rappelle un peu ce qui est dit dans l'Apocalypse. Je pense que c'est l'Apocalypse qui dit. Que celui qui pêche continue à pécher, que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Et c'est pour ça que des fois, certains apôtres parlent en disant, là, on discute pas, là, je connais, arrêtez, je discute pas. Maintenant, si vous voulez discuter, allez discuter ailleurs. Voilà, c'est comme ça. Donc, tout ça pour dire que le Tout-Puissant contrôle tout et c'est lui qui est à l'origine de tout. Donc, si vous voyez des choses comme ça, sans tomber dans la superstition, parce que c'est pas parce que tu crois comme ça que tu n'es pas superstitieux, que tu ne crois pas n'importe quoi. Il faut encore mettre tout dans le contexte pour être sage, par la grâce du Tout-Puissant. Donc, tout ça pour dire que, voilà. Et puis, si vous voulez, lisez Ésaïe 14 pour comprendre encore que quand le Tout-Puissant décide quelque chose, il le fait. Donc, on va attaquer tout de suite. On va d'abord écouter Olivier. Ça m'a fait rigoler, hein, je vous le signale tout de suite. Enfin, quand j'ai rigolé, c'est pas me moquer. C'est qu'il a dit quelque chose qui m'a amusé. Donc, on va l'écouter. On va écouter d'abord à peu près 3 minutes. Et après, on va écouter à peu près 13 minutes. C'est le seul truc que je vais faire pour cadrer, pour voir le parallèle entre ce que je vais dire. Parce qu'il a dit quelque chose et puis on va en parler, ok? Alors. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.
Voilà l'un des versets souvent que beaucoup de chrétiens tordent le sens de ce verset. Combien de chrétiens j'ai entendu dire, Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. La loi est toujours en vigueur. Nous sommes toujours sous la loi. Combien de chrétiens n'ont pas dit ça? Plein. Voilà. Maintenant, quand tu dis ça, moi, je viens simplement, je te donne seulement un seul verset. Souvent, je peux te donner plusieurs versets, mais je te donne un seul verset. Et je te demande de m'expliquer. Car Christ est la fin. Romains chapitre 10, le verset 4. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Maintenant, je te pose la question. Jésus est la fin de la loi ou bien Jésus n'est pas la fin de la loi? Viens m'expliquer. Jésus est la fin de la loi ou pas? Jésus est la fin de la loi ou pas? Excusez-moi. Voilà, parce que je vois des choses sur mon écran là. Romains chapitre 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Maintenant, je te pose une question. On dit de l'autre côté, Christ est la fin de la loi. Maintenant, toi, tu dis que, comme Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi est toujours en vigueur. Explique-moi. Et c'est là que vous voyez que, quand vous ne prenez pas le temps de lire la Bible sérieusement et de faire attention à ce que vous lisez, vous allez souvent vous égarer. Il y a beaucoup de chrétiens qui font ce que j'appelle souvent une lecture sélective et partielle de la parole de Dieu. Ils viennent prendre des versets et ce que moi j'appelle des bouts de phrases. Parce que regardez, quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour vous, il ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis, il t'explique. Quand il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, là, il t'explique ce que ça veut dire. C'est pour cela qu'il dit « car ». Il est en train de te donner, il est en train de t'expliquer ce qu'il entend lorsqu'il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Donc, il ne faut pas venir prendre une partie de la phrase de Jésus. On a vu que c'est un long sermon. Jésus est en train de faire un discours. Le même discours au chapitre 5, ça continue au chapitre 6, ça continue au chapitre 7. Quelqu'un est en train de faire un discours et toi, tu viens prendre un bout de phrase dans son discours et tu dis c'est ce qu'il a dit. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Supposons que la sœur Gladys dise, je prends l'exemple de la sœur Gladys. La sœur Gladys dit, je ne suis pas une voleuse. Donc, nous tous, on sait que la sœur Gladys dit qu'elle n'est pas une voleuse, non? On est tous d'accord avec ça. Oh là là, excusez-moi. Donc là, bon, je vais enlever la page. Là, Olivier, monsieur Olivier ou Olivier, dit plusieurs choses. Il y a des choses, je suis d'accord avec lui. Mais je n'aurais pas dit les chrétiens, j'aurais dit les soi-disant chrétiens. Parce que moi, j'estime que je suis chrétien dans le sens, je suis un disciple du Christ. Mais pour moi, le Christ, c'est un envoyé. Ce n'est pas lui le Père. Okay? C'est clair et net. Et je ne crois pas en la Trinité ou je ne sais pas trop quoi, là, je ne crois pas en ça. Ok? Puisqu'à ce moment-là, il faudrait nous expliquer qu'est-ce que ça va être à la fin quand Christ va remettre le royaume et que le Créateur, le Père, sera tout en tous. Ça devient quoi, là? On sera quoi? Et la parole explique, si on parle à la manière des Grecs et des Romains, on sera des dieux. Donc, le Créateur sera dans des milliers de personnes, des milliards de personnes peut-être. Et on va dire quoi, là? Donc, non, il y a une petite limite.
Par contre, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec lui que il y a certaines personnes qui aiment prendre des petits bouts de versets, mais même lui, il l'a déjà fait dans des vidéos, hein, donc il faut balayer un petit peu devant sa porte. Mais je suis d'accord avec lui sur ça. En revanche, tout le reste, je pense, d'ailleurs, je lui fais mes salutations à Olivier. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je vais m'expliquer, hein. Mais pourquoi je vous ai montré cette partie? Parce que c'est pour que les gens arrêtent de me faire des faux procès ou de faire aux gens faux procès. C'est lui qui dit de venir lui expliquer. C'est lui, hein. C'est pas moi qui ai mis ça dans sa bouche. Je le connais pas. Il me connaît pas. Donc voilà. Et il dit ça. Et je vais m'expliquer pourquoi je suis pas d'accord avec lui au fur et à mesure. Ok? Donc ensuite, là, il va dérouler tout son truc et on va l'écouter pendant un bon moment. Et après, on revient. La sœur Gladys dit, je ne suis pas une voleuse. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle dit, je ne suis pas une voleuse, mais je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que je suis une voleuse. Vous avez vu toute la phrase de la sœur Gladys, non? Elle dit qu'elle n'est pas une voleuse, mais elle ne comprend pas pourquoi les gens pensent qu'elle est une voleuse. Donc quelqu'un vient, il prend le discours de la sœur Gladys. Elle a dit, je ne suis pas une voleuse, mais je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que. Et puis, que là, tu coupes. Tu coupes cette partie-là et puis tu prends juste la partie où elle dit je suis une voleuse. Puisqu'elle a dit je ne suis pas une voleuse, mais je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que je suis une voleuse. Toi, tu coupes à partir de que là, tu coupes jusqu'en et puis tu t'arrêtes juste sur la partie où elle dit je suis une voleuse. Et puis tu dis ah, la sœur Gladys a dit qu'elle est une voleuse. Est-ce que c'est ce qu'elle a dit? C'est pas ce qu'elle a dit. Mais comme tu n'es pas sincère, tu es venu prendre juste une partie de sa phrase, et tu lui as donné une interprétation qu'elle n'a pas voulu, tu as mis une parole dans sa bouche qu'elle n'a pas dit du tout. Voilà comment des gens interprètent la parole de Dieu. Jésus est en train de faire un discours. Au lieu de lire tout ce que Jésus a dit, il vient de dire, non, Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Donc la loi est toujours en vigueur. Mais il faut lire tout le texte. Parce qu'il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de dire ici? La manière dont les gens comprennent ça, je leur dis, si tu veux comprendre, si tu veux comprendre ça, si tu ne lis pas attentivement, je vais te dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, parce qu'il dit, tant que le ciel et la terre ne vont pas passer, il ne va pas disparaître de la loi un seul iota. Je vais dire, une petite virgule ne doit pas être supprimée de la loi. Un petit mot, un petit commandement, tout ce que la loi dit est toujours en vigueur. Et il continue, il dit, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseigne aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Je m'arrête là. Tu sais ce que Jésus est en train de dire? Ça veut dire que si tu commets un péché, ce n'est pas la peine de venir dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Ce n'est pas ce que la loi dit. On n'a jamais dit dans la loi que quand tu commets un péché, faut te mettre en genoux, faut demander pardon à Jésus. La loi dit, tu prends un taureau, bien tu prends un animal, ou bien si tu n'as pas les moyens, tu prends un oiseau. Tu vas voir le sacrificateur au temple.
Et c'est lui qui va faire le sacrifice pour que tes péchés te soient pardonnés. On n'a pas dit que c'est le sang de Jésus qui pardonne les gens dans la loi. Dans la loi, dans certaines circonstances, on rend le mal par le mal. C'est dans la loi. Œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure, vie pour vie. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Dans la loi, en Israël, tu surprends deux personnes en train de commettre l'adultère. Une femme et un homme, on les surprend en train de commettre l'adultère. Il n'y a pas de miséricorde, on vous lapide à mort. Dans la loi, il y a des animaux qu'on doit manger. Il y a des animaux qu'on ne doit pas manger. Dans la loi. Et Jésus te dit, tant que le ciel et la terre vont exister, un seul iota, une seule virgule, un petit point, un petit commandement, rien ne doit être supprimé. Est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu vis? Souvent, quand des gens viennent me dire, la loi est en vigueur, je dis, mais vous êtes des plaisantins. Parce que toi-même qui me dis ça là, tu ne mets pas en pratique toute la loi. Jésus dit, on ne doit pas supprimer un petit commandement. Mais pourquoi toi, tu supprimes un petit commandement? Après, ils vont vous dire, non, il y a des commandements qui ont été bannis, il y a d'autres qui sont en vigueur. J'ai dit, tu es un plaisantin. Il dit, un petit iota, même une lettre, une virgule, tu ne dois pas supprimer. Donc, si tu veux comprendre ce que Jésus a dit là, si tu veux mal comprendre ce que Jésus a dit, mais il faut aller dans la loi, il faut vivre comme les Juifs. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ce que Jésus a dit. Parce que quand on lit le verset du Juif, Jésus dit, tant que le ciel et la terre, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à, il a dit quoi? Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Quand vous prenez la traduction Darby, on dit jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc Jésus est en train de te dire qu'il est venu pour accomplir la loi. Et parce qu'il a accompli la loi, il a donné sa vie. La loi n'est plus en vigueur. Voilà ce que ça veut dire. C'est pour cela qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Mais il dit que tant que le ciel et la terre est là, rien, c'est-à-dire tu ne peux pas, supprimer une petite lettre dans la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, lorsque tout est accompli, c'est fini. Puisqu'il a dit jusqu'à ce que tout soit arrivé ou bien tout soit accompli. Tout est accompli, c'est fini. Le Messie, le Christ était celui qui devrait venir pour accomplir la loi. C'était lui. C'est pour cela que tous les prophètes, que ce soit Moïse, Moïse même a prophétisé sur Jésus, Ésaïe, tous les grands prophètes ont prophétisé le Messie qui devrait venir pour sauver son peuple. Quand le Messie arrive, il accomplit tout. Nous ne sommes plus sous la loi. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque nous lisons Galates, que je vais lire, parce que c'est important. Lorsque nous lisons Galates, qu'est-ce que Galates nous dit? Regardez, Galates chapitre 3, à partir du verset 23, oui, je ne vais pas tout lire, je vais juste lire les deux versets. Avant que la foi vienne, c'est-à-dire qu'avant que la foi qui sauve par Jésus-Christ vienne, avant que la grâce arrive, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Afin que la foi qui doit en vue de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi, c'est-à-dire que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi a été comme un guide. La loi a été comme un boussole. La loi a été comme un régime transitoire pour nous conduire à Christ. Afin que nous fussions justifiés par la foi. Alléluia. Et la Bible dit que la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Qui est ce pédagogue? C'est la loi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est pour cela que Romains, chapitre
10, le verset 4 te dit que Christ est la fin de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Donc, ce que Jésus dit là, il faut bien comprendre ce qu'il dit. Parce qu'il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas. La loi était toujours en vigueur. La loi était toujours en place jusqu'à ce que Jésus puisse tout accomplir. Donc, maintenant qu'il a tout accompli, on n'est plus sous la loi. Et la Bible dit que Jésus lui-même est né sous la loi. Jésus respectait la loi parce qu'il est né sous la loi. Il n'avait pas encore tout accompli, donc il respectait la loi. Quand les gens viennent lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que Jésus dit? Mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Il ne dit pas, viens, suis-moi pour être sauvé. Non, il dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? C'est ce qu'il a dit à l'homme riche. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas encore tout accompli. Donc, la loi était toujours en vigueur. Même quand les gens attrapent cette femme en flagrant délit d'adultère, qu'ils l'envoient vers Jésus, pour dire, Seigneur, Moïse nous a dit qu'on doit lapider une telle femme. Toi, tu dis quoi? Il y a des gens qui pensent que, parce que Jésus a apporté la grâce, Jésus ne voulait pas qu'on lapide cette femme. Ce n'est pas vrai. Hein? Jésus n'a pas voulu qu'on lapide cette femme parce que ce n'est pas ce que la loi de Moïse dit. La loi de Moïse dit, si vous surprenez une femme et un homme en flagrant délit d'adultère, vous devrez lapider les deux, l'homme et la femme. Eux, ils ont surpris la femme en flagrant délit d'adultère, ils ont laissé l'homme. Hein? Voilà. Comme dans beaucoup de cultures, la femme, elle est à l'origine de tous les problèmes. Voilà. Même quand il y a adultère, on ne dit pas que c'est l'homme qui a commis la... On dit, ah, c'est la femme. C'est la femme qui est coupable. C'était exactement comme ça chez les Juifs. La femme est la cause de tous les problèmes, de toutes les misères. Voilà. Vous prenez deux personnes en train de commettre l'adultère, vous laissez l'homme et vous prenez... C'est là que quand Jésus les a vus, il dit, mais vous êtes des plaisantins. Vous n'allez pas la lapider. Parce que c'est la loi de Moïse, là, si tu ne veux pas appliquer, il faut laisser. Que celui parmi vous qui n'a jamais péché lance contre cette femme le premier la pierre. Et Jésus attendait pour voir celui qui allait faire ça. Mais celui qui s'amusait à faire ça, boy, Jésus allait exposer sa vie. Jésus allait exposer sa vie. Tellement qu'ils avaient peur que eux-mêmes, leur propre vie soit exposée. La Bible dit du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils ont commencé à partir un à un. Voilà. Et c'est qu'ils étaient là, ils disaient, ah, yeah, les gars, moi-même, si le monsieur là, s'il explique ce que je fais dans le secret, je pense que c'est moi-même qui vont lapider. Donc, je préfère partir. Et ils sont partis. Voilà. Mais s'ils avaient envoyé les deux, Jésus allait dire appliquer la loi. Voilà. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre ça. Donc, jusqu'à ce que tout soit accompli, la loi était en vigueur. Maintenant que la loi, Jésus a tout accompli, on n'est plus sous la loi. C'est pour cela que je vous invite à aller regarder cette vidéo, que je ne sais pas si c'est la vidéo numéro combien. La sœur Gladys, je ne sais pas si tu peux me mettre le numéro de la vidéo, ou bien la sœur Anne. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la loi et de la grâce. C'est quoi la loi? Parce que souvent, beaucoup de chrétiens ne savent pas c'est quoi. Il y a des gens qui pensent que la loi, c'est simplement les commandements. La loi, ce n'est pas seulement les commandements. Il y a beaucoup de choses dans la loi. La loi, c'est un sacerdoce. La loi, c'est une alliance. La loi, il y a la malédiction et la bénédiction dans la loi. La loi, c'est 613 lois et ordonnances. Il y a plein de choses dans la loi. Il faut connaître c'est quoi la loi. Alléluia. Ceux qui prétendent que la loi est toujours en vigueur, ils n'observent pas la loi parce qu'ils ne savent pas c'est quoi la loi. Alléluia. Et le verset 20, il dit, si votre justice, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ah bon? Seigneur, pourquoi? Vous savez ce que Jésus dit? Bon, vous voyez à peu près qu'est-ce que Olivier... De quoi Olivier parle, ok? Il a dit beaucoup de choses. Mais par moments, il a fait comme tout le monde. Il a pris des versets et il n'a pas tout dit. Par contre, c'est vrai qu'il a, dans la suite de la vidéo, il a expliqué
beaucoup, enfin, il a repris beaucoup de choses dans le chapitre de Matthieu 5, où il était dit que Christ n'était pas venu pour abolir, mais accomplir. Mais il y a des choses, par exemple, il n'a pas été en grec ancien, ça l'aurait évité de dire un peu n'importe quoi, même pour Romains 10:4. Mais il y a des termes, même en français, qu'il a mis en sourdine, comme justification, des choses comme ça. Mais par contre, il y a un truc que j'aime bien chez lui. Il fait la ponctuation avec l'intonation de sa voix. Plaisantin! La personne fait ça! Si, en fait, il fait la ponctuation avec l'intonation de sa voix. Franchement, ça me faisait un peu rire, mais je me moquais pas, ça me faisait rire, quoi, voilà. On va parler des vraies choses maintenant. Par exemple, quand il prend l'histoire de la femme et il dit que Christ, c'est parce que dans la loi, il fallait amener l'homme et la femme. Oui, mais on t'a pas dit que c'est forcément en même temps. Hein. Ça, c'est toi qui interprètes comme ça. Donc, c'est pas pour ça. Et en plus, Christ, à la fin, dit à la femme, va et ne pêche plus. Donc, ça, c'est quand même, ça c'est quand même le pardon. Donc, il y a des choses que, il a été vite parce qu'il veut faire passer sa façon de voir. Et là, il y a pas de problème. Mais est-ce que, lorsqu'on parle de la loi, par exemple, admettons qu'il y a 100 lois. Quelqu'un pratique une des choses de la loi. Est-ce que dans l'interprétation de ce qu'on va dire, on va dire que la personne va dire, mais je fais ça parce que je pratique la loi. Après, on peut discuter avec la personne et puis dire, mais est-ce que tu pratiques les 99 autres lois? Mais tu peux pas dire parce que la personne pratique une des 100 lois qu'il ne pratique pas la loi. Tu peux simplement dire qu'il ne pratique pas toute la loi. Mais il pratique la loi quand même. Je ne parle pas pour moi parce que on va voir qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que ça voulait dire. Bon, pour commencer, donc j'ai bien entendu ce que tu as dit, Olivier. Il y a des choses, je suis d'accord, mais tu vas pas en profondeur des choses. Parce que tu refuses d'aller dans les textes anciens, enfin en grec et en hébreu, et tu te raccroches à des choses pour faire passer d'autres choses. Donc ça veut dire que tu te bases, par exemple, quand tu prends l'exemple, je pense que c'est une de vos sœurs qui s'appelle Gladys, bon, moi je comprends que c'était une Tu avais inventé l'histoire pour la compréhension. Mais ce que tu fais là, c'est pas très correct parce que tu prends quelque chose de complètement désarticulé pour expliquer quelque chose d'autre. Mais je comprends ce que tu fais, mais là, c'est évident que tout le monde va savoir que c'est faux. Donc c'est pas vraiment comme ça. Mais tu expliques bien ton point de vue. Donc tu dis bien en conclusion que la loi n'existe pas et que maintenant on est sous la grâce. C'est pour ça que j'ai laissé tout ça, pour que tout le monde constate. Bon. Et pour la dame là, pour la dame que Christ n'a pas dit qu'il fallait lapider. Bon, pour le mot accomplissement aussi, c'est pas très correct ce que tu as dit parce que il fallait étudier le mot en grec et tu allais comprendre que c'est pas vraiment ce que tu dis. Okay? Mais je vais le faire après ces vidéos-là. J'irai dans Romains 4, Romains 10:4, j'irai là-dedans, j'irai dans Matthieu, je ferai des vidéos uniquement sur ça pour expliquer. Mon point de vue et voir que les gens en jugeront eux-mêmes. Parce que ce que tu dis, il y a une base qui fait croire ce que tu dis et l'ensemble des Écritures, mais quand
mais tu ne vas pas dans les détails, vraiment, ou alors tu ne vas pas jusqu'au bout de ta démonstration, parce que peut-être que tu sais très bien qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout, parce que ça va contredire ce que tu dis. Mais la dame, quand Christ dit ça, déjà c'était pour les faire comprendre que vous n'êtes pas clair vis-à-vis du Créateur. Mais c'est pas que ça. Parce que Christ aurait pu dire lapider cette femme, oui, et puis aller chercher l'homme. Aller chercher l'homme. Parce que même dans l'ancienne alliance, quand il lapidait l'homme et la femme, ça ne veut pas dire qu'il fallait amener tous les deux comme ça. Hein. On va les chercher. Parce que tu penses que l'homme allait rester là comme ça. Il fallait le poursuivre. Donc, dans les Écritures, il n'y a rien qui montre que les deux étaient là pour les lapider le même jour, le même instant, le machin. Tout ce qu'on te dit, c'est qu'il faut lapider les deux. Donc, Christ savait ça. Donc, ce n'est pas vraiment ça l'idée. Parce que tu ne dis pas tout le reste quand il dit ne va, ne pêche pas. Ne pêche plus. C'est qu'il y a une raison. Et pareil pour quand tu fais ta démonstration de Matthieu 5. J'étais d'accord avec toi hein, sur ça, par contre. Mais tu vas pas jusqu'au bout. Et il y a la partie qui me paraissait importante au niveau du royaume des cieux dans Matthieu 5 que tu ne cites pas. Bon, je l'ai pas montré, mais que tu signes pas, que tu cites pas. Parce que ça voudrait dire que la loi te permettait de rentrer dans le royaume des cieux. Et ça, c'est un problème. Parce que tu n'expliques pas. Alors, on va commencer maintenant. Je suis désolé, ça a pris 1 heure. Mais je vais essayer de faire, s'il faut couper, mais j'aimerais pas couper, je vais continuer. Alors, ce que je veux dire par là, déjà pour commencer, lorsqu'on a trouvé un trésor et qu'on le possède, ce trésor, on le chérit et on le contemple. Et ensuite, on le propose à ceux qui sont supposés le partager avec vous. Ça, c'est une démarche peut-être simple, mais claire et précise. Il est à noter, parce que ça aussi, ça circule dans les soi-disant chrétiens, qui disent que, en fait, la connaissance, effectivement, la connaissance peut enfler, puisque c'est écrit. Mais il est aussi écrit que le peuple du Tout-Puissant meurt faute de connaissance. Donc, il faut distinguer les deux connaissances. Et la connaissance, quand on parle de ça dans Osée 4:6, on parle de la loi et les prophètes. Mais on parle de quoi exactement? Parce que c'est toujours ça. Parce qu'il faut poser la chose avant de partir dans les trucs. Et c'est ça qui fait que je suis convaincu que c'est ça qui fait que vous vous plantez, en fait. C'est ça qui fait ça. En réalité, il faut être sage, intelligent, avoir la foi, en l'occurrence dans cette dispensation, la foi en Christ, avoir la maîtrise de soi et avoir la crainte du Tout-Puissant. Il faut déjà avoir ça. Parce que des fois, les gens parlent. Tu vois, quelque part, tu mets certains mots dans la bouche de Christ, que Christ a dit que c'est des plaisantins. Mais je comprends, de toute façon, je ne te fais pas le procès pour ça. Mais indirectement, tu traites ceux qui disent qu'ils sont sous la loi, c'est des plaisantins. Donc, avant de conclure que je suis un plaisantin, il faut aussi savoir qu'est-ce que je veux dire par que nous sommes encore sous la loi. De quoi je parle? Et indirectement, dans les Écritures, surtout dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on parle de la loi, c'est pas parce que tu vois loi partout qu'il parle de la même chose. Non, ça marche pas comme ça. C'est parce que tu n'as pas étudié la chose.
Il faut aussi comprendre une autre chose au sujet des Écritures. Et là, je ne parle pas pour toi, Olivier, je parle pour nous tous. Que les scribes, que ce sont des scribes et des érudits qui ont rédigé les textes compilés dans la Bible. Pourquoi je précise ça? Il y en a même ceux qui ont rédigé eux-mêmes, comme par exemple l'apôtre Paul, puisque c'est un érudit, et d'autres qu'on a rédigé pendant leur vécu, d'autres qu'on a rédigé après leur vécu. Et là, je parle de toute la Bible, de tous les livres de la Bible, les lettres, les livres, etc. Donc, ce qui me surprend, c'est que des gens viennent étudier les Écritures, ou en tout cas parler des Écritures, sans comprendre comment s'articulent des textes, puisque ce sont des scribes et des érudits qui ont écrit. Ça veut dire que ces gens-là n'étaient pas, c'était carrément des littéraires qui ont écrit la Bible. Donc, ils savent très bien ce que c'est une idée principale, des exemples, des paragraphes, comment il faut écrire ça, pourquoi il faut écrire ça. C'est des spécialistes de l'écriture. Et qui savent très bien comment coucher sous le papier, ou sous des pierres, ou sous des papiers, tout ça, une idée. En dehors de l'âge de certaines personnes, par exemple un enfant de 12 ans qui vient me parler des Écritures, laisse tomber. C'est la confusion. Mais aussi, des gens qui peuvent avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qui ne savent pas comment s'articule un mot, une phrase, un paragraphe, un récit. Parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Attention, je ne suis pas en train de parler qu'il faut avoir des diplômes, qu'il faut aller à l'école, tout ça. Mais ceux qui savent étudier les textes, qui en sont formés pour ça, aura une avance sur vous. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai l'Esprit du Seigneur, ça c'est du pipeau. Je parle de ceux qui sont formés, qui sont formés par le Seigneur à comprendre les textes, que ce soit n'importe quel texte en fait, et qui ont l'Esprit du Seigneur, ils seront en avance sur celui qui a l'Esprit du Seigneur et qui n'est pas formé. C'est de ça que je parle. Je suis pas en train de... C'est sûr, si tu prends quelqu'un qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, même s'il est formé, il va être limité quand même. C'est-à-dire qu'il va, il va t'expliquer le texte de façon, on va dire, brutale, mais il va pas pouvoir t'expliquer le sens spirituel des choses. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais l'autre qui va dire qu'il est spirituel, à quoi ça lui sert d'être spirituel s'il ne sait pas expliquer le texte, on va dire entre guillemets, de façon brutale? Parce que le scribe qui a écrit, l'érudit qui a écrit, il avait non seulement, pour certains, l'Esprit du Seigneur, mais il était formé académiquement pour savoir comment écrire, comment rédiger quelque chose. Et là, tu vas prendre des gens qui viennent, qui se disent je sais pas quoi, et puis après tout, c'est leur problème, et qui contestent le fait qu'il y a des gens qui vont leur expliquer, ça c'est l'introduction, ça c'est la partie principale du texte. C'est comme Olivier a fait, il prend le verset, c'est vrai, je suis d'accord avec lui, il y a des gens qui viennent avec un verset, c'est vrai. Mais lui aussi, il n'a pas pris une introduction. Il a pris une idée principale sans prendre le sujet principal de ce que Christ disait. Parce que quand Christ a dit dans Matthieu 5, il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir tout ça. Déjà, c'est une version française. En tout cas, c'est pas du grec. Mais en plus, Christ parlait de ça pour parler du royaume des cieux. Et ça, il l'a pas dit. Même Olivier l'a pas dit. C'est pour ça que je dis que Olivier, oui, moi je suis d'accord avec lui quand il parle, il pose un postulat, mais il n'approfondit pas la chose. Donc on va commencer. Comme je disais,
Contrairement à ce qui est propagé, je dis, d'ailleurs, mes phrases sont pareilles, je peux dire nous. Nous disons que Paul n'a jamais rejeté la loi. Mais quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Olivier a dit à un moment donné quelque chose qui dit, il y a des gens qui disent, non, cette loi-là, elle n'est pas comme ça, cette loi, elle n'est pas comme ça. Mais comment je peux dire? Dans la mission de Christ, le fait que Christ dit qu'il vient accomplir, prenons les choses de façon factuelle. Dans la loi, c'était écrit, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas faire de faux témoignages. Est-ce que Christ a accompli ça? Quand Christ parlait d'accomplissement, est-ce qu'il parlait de ça en fait? Est-ce que lui, il a fait ça? Est-ce que dans l'accomplissement de la loi, il y avait le mariage, il y avait le divorce, il y avait tout ça? Est-ce que Christ a accompli ça? Donc, non, Christ n'a pas accompli ça. Est-ce que Christ, qu'est-ce qu'il y a dans la loi encore que Christ... Il y a des choses dans la loi comme ça. Est-ce que Christ a accompli? Christ a accompli quelque chose de bien précis, qui était de la loi. Et je vais vous le montrer. D'ailleurs, tu as employé certains mots comme justification, enfin justifier, des choses comme ça. Mais tu n'as pas, j'ai regardé toute la vidéo, tu n'as pas approfondi ça. Parce que tu es focalisé sur autre chose. Alors que c'est des petits détails comme ça qu'il fallait aller creuser. Parce que ceux qui ont écrit, même si tu vas en grec, chaque mot qu'ils ont utilisé, ça avait un sens. Parce que c'était des scribes ou des érudits. Ils savaient écrire. C'est pour ça que je dis que ceux qui prêchent la parole, s'ils savent pas comprendre ce qui est écrit, et je parle pas de diplôme, je parle pas d'académie, tout ça, c'est pour ça qu'il y a n'importe quelle déviance, en fait. Parce que les gens pensent que, toujours avec la mentalité des fables et tout, que le Créateur te choisit pour aller annoncer sa parole, mais tu dois être bête. Tu dois pas comprendre ce que c'est, qu'est-ce que c'est un paragraphe, qu'est-ce que c'est tout ça, tu dois pas comprendre ça. Donc comment tu vas comprendre des gens qui étaient académiquement structurés, et toi tu viens, académiquement, tu n'es pas structuré. Et je parle pas de l'école là. Je parle pas de ça. Il y a quand même un problème. En plus, il y a toute la partie des personnes qui ne vont pas vérifier ce que les gens disent. Et quand tu leur dis ça, non, tu dois pas parler comme ça, tu dois pas dire comme ça. Non, 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 non. Parce que la façon que tu parles, la façon que tu dis quelque chose, enfin, toi, tu le sais, ça, Olivier ou d'autres personnes. Quand vous connaissez quelque chose, quand la personne vient parler, vous savez que la personne n'a pas étudié la chose. Ben nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, je vous dis, c'est une introduction, hein, ce qu'il faut savoir aussi, ceux qui étaient sous la loi révélée à Macha, à Moïse, n'héritaient pas de la vie éternelle. Ça, c'est un postulat. C'était pas pour la vie éternelle. Et je vais vous le montrer. Ensuite, donc, la finalité n'était pas de rentrer dans la vie, dans la vie, dans le royaume des cieux. La finalité de la loi de Macha n'était pas de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux n'hérite pas la chair et le sang. Donc comment se fait-il
Bon, je dis ça pour Olivier, par contre. Comment se fait-il que dans Matthieu 5, Christ, bien sûr, il y a eu le premier verset que tu as cité, mais tu n'as pas cité tout ce qu'il dit pour rentrer dans le royaume des cieux. Il dit, le plus petit, oui, tu cites une partie, un seul iota, tout ça, mais tu ne cites pas la conclusion de l'idée principale où il dit, car tous ceux qui font pas ça ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Est-ce que Christ connaissait pas? Christ savait que la loi, révélée à Macha, ne te permet pas de rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi il dit ça là? Pourquoi il dit ça là? Mais ce n'est pas l'objet, mais je te dis, pourquoi il dit ça? Bon, je vais aller voir. Je vais vous montrer. Mais je vais pas m'attarder sur ça parce que j'ai prévu une vidéo sur ça. Parce qu'il y a des choses que je trouve bien qui sont intéressantes, que dit par exemple Olivier, mais je lui reproche, enfin, si je peux me permettre, hein, qu'il n'a pas approfondi la chose. C'est pour ça qu'il est arrivé à des conclusions qui sont un petit peu, olé, 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 olé. Alors, voilà. Verset 17, c'est ça qu'il a lu, hein. Ne croyez pas que je sois venu, tout ça, ta, 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 ta. Et mais voilà ce qu'il dit. Car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez point dans le royaume des cieux. Comment se fait-il que Christ parle de la loi et il parle de rentrer dans le royaume des cieux? Alors qu'il sait très bien, on va voir, que le royaume des, que la loi révélée à Macha ne te permet pas de rentrer dans le royaume des cieux. Donc, c'est peut-être pas ce que tu dis, Olivier, en fait, que Christ dit là. Bien que, après ce que tu as dit, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais tu n'as pas approfondi là non plus. C'est-à-dire que quand Olivier dit, ça m'a même surpris. J'ai dit, bon, j'espère quand même qu'il va comprendre plus loin. Il dit que dans la loi, quand tout ce que cite Christ dans chapitre 5, chapitre 6, et c'est vrai, c'est plus dur que la conception de la loi qu'on avait, que de la loi révélée à Macha. C'est vrai. Mais il y a des choses que on n'explique pas à cause de la traduction française qui fait que Olivier passé à travers. Il a bien compris. Pour moi, je trouve qu'il a compris. Mais il n'a pas été jusqu'au bout. Donc, comme il n'a pas été jusqu'au bout, la conclusion, pour moi, elle est pas bonne. Ça donne l'impression que la loi est caduque, mais c'est parce qu'il n'a pas compris certaines choses, parce qu'il est resté en français. Voilà. Ou en russe, ou en ce que vous voulez, en japonais, en machin. Mais il n'a pas été dans le grec. C'est pour ça qu'il n'a pas vu le truc. Ben, maintenant, on va aller dans. Bon, je vais le faire, hein. Même si ça prend 2 heures, là, je m'en fiche, hein. Peut-être, je pense pas que ça prendra 2 heures, mais. Alors. Voilà. Voilà ce que j'aimerais faire, si le Tout-Puissant me le permet. On va d'abord présenter toutes les choses que je veux dire comme une introduction. Mais je dois dire que nous ne sommes pas formés à la théologie. Donc je ne suis pas formé au catholicisme romain, par la grâce du Tout-Puissant, par la grâce du Père Céleste. OK? Et que ceux qui voudront me lapider, sachez, bon, c'est un petit peu d'ironie, hein, sachez que ça, c'est la loi révélée à Macha aussi, hein. Donc, quand vous dites que vous êtes sous la grâce, etc., et que vous utilisez des moyens de l'ancienne alliance pour régler des problèmes, sans comprendre ce qui se passe, sachez que vous êtes encore en train de pratiquer la loi.
Et en plus, il faudrait nous dire, quand vous parlez de la grâce, qu'est-ce que c'est le péché? Parce que vous parlez du péché. Donc, il faudrait me dire, c'est quoi la définition que vous avez du péché? Et aussi, c'est quoi la définition de la foi? Parce que vous allez me prendre Hébreux 11, qui a que des exemples de l'Ancienne Alliance. Mais vous pensez, comme dit Olivier, que c'est nous les plaisantins. Mais c'est vrai qu'Olivier parlait de ceux qui sont chrétiens dans les dénominations là. Il ne parle pas des Israélites. Bon, c'est un peu comme ça. Donc, on va commencer. Mais il fallait que je présente tout ça pour que ce soit bien clair. Dans Genèse 6, 1 à 3, on va lire, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que les fils et que des filles leur furent nés, les fils du Tout-Puissant, voilà, c'est Elohim, virent, bon, je ne vais pas le faire à chaque fois, ça, mais virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, le Tout-Puissant dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Il y a plusieurs choses là-dedans qu'il faut comprendre. Enfin, qu'il faut comprendre. Peut-être que des gens ne comprennent pas. Peut-être que des gens ne savent pas. Mais on va le parler. En hébreu ancien, le mot chair et le mot corps, c'est la même chose. Bon, c'est pas l'objet, il faudrait que je fasse une vidéo sur ça encore. Vous voyez tout ce qu'on a à dire, en fait. Alors que, en grec, ils font une différence entre la chair et le corps. Alors que, en hébreu, ils font pas la différence. Il faut le savoir. En grec, c'est deux mots distincts. Mais je ne vais pas rentrer dans ça, mais c'est quand même deux mots distincts. Ça veut dire que quand vous prenez 1 Thessaloniciens 5, 23 et on dit l'âme, non, l'esprit, l'âme et le corps, quelqu'un qui est rigoureux va dire non. Il aurait dû dire l'esprit, l'âme, la chair et le corps. Ça, c'est en grec, dans le paradigme grec. Mais comme c'était des Israélites qui ont écrit, ils ont fait sauter la chair parce que pour eux, le corps et la chair, c'était la même chose. Alors qu'en fait, de façon rigoureuse, dans le paradigme grec, il fallait mettre les quatre parties. Les gens qui mettent les trois parties, c'est qu'ils sont dans le paradigme hébraïque, israélite. Mais ils rejettent le paradigme grec et israélite. Israélite. Vous voyez la confusion, ok? Et je peux vous le montrer quand vous voulez, hein, donc ça c'est pas un problème. Mais c'est pas l'objet. Ensuite, il y a encore autre chose. Bon, je vais quand même le montrer de temps en temps. On va aller en hébreu là. Et avant, je vais vous dire. Bon, regardez, ici là. Les fils de Dieu, c'est Elohim, ok? Avec le pluriel là, le mâle là, c'est Elohim, ok? Donc, il parle du même, il emploie le même mot que Genèse 1:1. Ensuite, ce que je voulais vous montrer ici, c'est dans le dernier verset, le 3, l'esprit. En hébreu, selon la convention que j'utilise, c'est Ra, Wa, Kha. Ra, Wa, Kha. OK? Ces trois lettres-là. Ces trois premières lettres-là. Et la chair, ici, c'est Bachara. 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 Ça, c'est la chair. Donc, c'est vraiment deux mots différents. Et la manière qu'ils ont expliqué ici, c'est bien mon esprit et la chair.
Qu'est-ce que dit Good News Translation? Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu montrer ça, mais il y a sûrement une raison, on va aller voir. Par la grâce du Puissant, maintenant qu'il y a certaines bases, je suis à peu près sûr comment c'est traduit, comment c'est quoi en hébreu et c'est quoi en grec et comment ils le traduisent dans les langues modernes là. Souvent, c'est du n'importe quoi, je vous dis tout de suite. Regardez, ici on dit, alors le Seigneur dit, je permettrai pas aux gens de vivre éternellement, ils sont mortels. Donc on voit ni esprit, ni chair. Bon, on peut deviner mortel, mais c'est pas ce qui est écrit en fait. Et il y a plein de choses comme ça qui se fait, et ça crée des dogmes. Ou du moins, c'est à partir des dogmes qu'ils ont traduits. Donc, il faut être simple dans l'affaire. Enfin, simple, humble. Quand vous venez avec des traductions et vous me balancez des dogmes et tout ça, et vous pensez que c'est nous qui sommes arrogants. C'est vous qui êtes arrogants, en fait. Parce que vous ne voulez pas aller voir. Ah oui, c'est du travail, mais si le Seigneur t'a élevé là-dedans, ça va être simple pour toi. Donc, il faut être humble. Mais voilà ce qu'il est dit au verset 3. Alors le Tout-Puissant dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mon esprit, c'est clair et net, ne restera pas toujours dans l'homme. Car même là, il faudrait expliquer qu'est-ce que ça veut dire mon esprit dans l'homme. Mais ce n'est pas l'objet, ça va être trop long là, ce n'est pas l'objet en fait. Car. Là, il parle pas de l'âme. Il dit mon esprit. Alors que dans le paradigme hébreu, on parle de l'âme aussi. Et c'est un point central. Car l'homme n'est que chair. C'est clair. Et ses jours seront de 120 ans. Donc à partir de là, donc pratiquement tout de suite, le Créateur a vu que c'est un peu n'importe quoi sur la terre. Bon, il le savait déjà. Et il déclare, c'est 120 ans maintenant. Et nous arrivons, il n'a pas changé après, il a continué. Pape, la révélation de Macha. La révélation de Macha ne remet pas en cause ces 120 ans. Donc, c'est pour 120 ans. C'est pareil. Là où il y a un changement. C'est quand Christ vient et il parle de la vie éternelle maintenant. Donc ça veut dire que la loi révélée à Macha ne te permet pas de rentrer dans le royaume des cieux. Pourtant, Matthieu 5:20, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez point dans le royaume des cieux. Pourtant, il dit, il faut pas enlever un seul iota. L'histoire de. D'ailleurs, il dit jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il faudra aller voir en grec, bon, je n'ai pas le temps, c'est arrivé. Ok? C'est bien, il faut bien comprendre. Et il faut bien comprendre certaines choses qu'on dit sur le Christ, dans les Écritures même. Ne pensez pas que ceux qui ont écrit, étaient bêtes. C'étaient des érudits. C'étaient des gens qui savaient écrire. C'était des gens qui avaient l'esprit aussi. Donc, entre quelqu'un qui a l'esprit et qui sait écrire, et quelqu'un qui a l'esprit et qui ne sait pas écrire, qui est plus proche de la vérité? Faut arrêter. Faut arrêter. Okay? Ensuite, c'est une introduction. Hein? On va aller dans Matthieu. Est-ce que c'est Matthieu ça? Non. Je ne comprends pas pourquoi je perds les trucs. Alors, Romains 10, 12. Oh, je ne comprends pas pourquoi je perds les trucs comme ça.
Ça, c'est quoi ça? Voilà. Ok, je suis désolé, je comprends pas. Bon, je vais effacer ça. Pourquoi je perds des trucs? C'est un mystère pour moi, ça. Ok, alors, on va aller dans Matthieu, le livre de Matthieu, 10-12. On va aller plus vite. Voilà ce qui est écrit. Hey, il faut aller doucement, je suis d'accord, mais est-ce que c'est 10-12? Ah, j'ai peut-être pas la même version. Ah, ok. J'ai compris. Ok. Donc, non, c'est parce que dans Matthieu 10, 12, on avait pas 10, 12, mais ok, j'ai compris pourquoi. Alors, on va lire plutôt Romains 11, 25 à 32. Et après, on revenira sur Matthieu. Alors, 25, Romains 11, 25 à 32. Je ne veux pas, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Même là, déjà, il y a des choses qui vont pas. Okay? Ils ont mis païens. Ça aussi, si le Tout-Puissant le permet, plus tard, je vous montrerai qu'est-ce que, pourquoi païen, dans le contexte qu'on le prend, c'est un concept gréco-romain qui n'explique pas vraiment la situation d'Israël à l'époque et de ce qu'on appelait païen, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle païen aujourd'hui. Okay? D'ailleurs, 11.25, regardez ce qu'il écrit. Là, j'ai été dans Romains 10-12. Ah, je me suis peut-être trompé, en fait. Ok. Ok, c'est pas Matthieu, c'est Romain. Je me disais, il y a un truc bizarre dans mon truc. Ok. Ah ben voilà, c'était ça. Je vais vite faire ça là et je vais vous montrer ça. Voyez, ça va prendre beaucoup plus de temps que je pensais parce que il faut aller dans tous les détails parce que il y a des choses, c'est pas clair dans ce qu'avance. Les personnes, et quand on va dans les détails, il y a des gens qui regardent pas la vidéo et qui viennent me faire des procès. Donc ça va pas. Pourtant, moi, je fais l'effort de regarder la vidéo des autres. Alors. Oui, c'est long, mais ben, c'est pareil, pour être un spécialiste de quelque chose, il faut étudier. C'est comme ça. Bon, voilà, c'est comme ça. On va pas. Alors, si on prend le verset 25 qui dit ici, la totalité des païens. Donc, si on prend la totalité des païens, nations. Donc, ici, on parle des ethnons, on va dire, ethnons, ethnons. Ça peut être un groupe de personnes, ça peut être des ethnies, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais pourquoi il dit ça, c'est pas l'objet de la vidéo. J'ai prévu de parler du thème païen, du thème nation, du thème grec, le thème juif. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Ok? Et il y a des gens qui m'ont posé, même le thème âme. Il y a des gens qui m'ont posé la question. Pourquoi tu parles de l'âme? On verra. Bon, il y a peut-être des petits trucs dans cette vidéo. Je vous montrerai. En tout cas, dans cette introduction, que ce soit aujourd'hui, que ce soit une autre fois, si le Tout-Puissant le permet. Donc, on va continuer. C'est ainsi, donc, il parle de toute la totalité des païens soit entrée. C'est ainsi que tout Israël sera sauvé.
Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera Jacob de ses impiétés. Alors, il y a des gens qui vous font quoi? Qui parlent des nations, c'est-à-dire des non-israélites du tout, qui ni de près ni de loin, que eux, ils doivent tous entrer. Et là aussi, les gens comme Olivier ne relèvent pas ça. Parce que je pense que lui, il dit, non, c'est pas tous les gens du monde. C'est ceux qui sont prévus. Donc, ah, là, tu nuances. Mais quand c'est nous qui nuançons, vous n'êtes pas d'accord, c'est ça? Non, non. En plus, vous ne démontrez rien. Nous, on démontre, par la grâce du Puissant. Et on va vous montrer ça. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob ses impiétés. Quand il dit Jacob, c'est Israël. Et ce sera mon alliance avec eux. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Donc là, il parle d'ôter le péché. Je vous dis, on va essayer d'avancer comme ça. En fait, dans la loi de Macha, la révélation de Macha, il n'était pas question de ôter le péché de l'âme. Pourquoi? Parce que c'était 120 ans. Donc tu mourais. C'est pour ça qu'on parlait du ministère de la mort qui t'amène à la mort. Pas que tu n'es pas béni. Non, mais ça t'amenait à la mort. Alors que le ministère de Christ t'amène à la vie éternelle. Donc il faut qu'on t'enlève le péché dans l'âme, dans ton âme. Parce que l'esprit ne pêche pas. Non, l'esprit, c'est le Tout-Puissant. C'est une mesure d'esprit qui te donne. Le souffle de vie, c'est ça. Sinon, tu vis pas, en fait. Et après, on a expliqué dans la Nouvelle Alliance que le Christ, c'est la vie, et connaître le Tout-Puissant, c'est la vie éternelle. Mais il faut comprendre les concepts. Parce que les gens qui ont écrit, c'était des érudits, c'était des gens qui savaient écrire et c'était des gens qui savaient exprimer leurs pensées dans l'écriture. Donc, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car le Tout-Puissant ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc ça veut dire quoi? Le Tout-Puissant a dit en long, en large, mon héritage c'est Israël, mon héritage, mais il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire héritage. C'est eux les héritiers, c'est les Israélites les héritiers, c'est nous les héritiers pour ceux qui peuvent comprendre. Et là il dit, il ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc c'est toujours valide. C'est toujours valide. De même, vous qui étiez de même que vous avez été autrefois, non, de même que vous avez autrefois désobéi au Tout-Puissant et que par leur désobéissance, vous avez obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que la miséricorde qui vous a été faite, ils l'obtiennent aussi miséricorde. Car le Tout-Puissant a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour en faire miséricorde à tous. Ici, pour ceux qui étudient vraiment la chose, comment l'apôtre Paul va parler à des gens pour leur dire, autrefois vous avez désobéi au Tout-Puissant, à des gens qui connaissent rien à la loi. Comment il peut dire ça? Non, il parle à des personnes qui connaissaient la loi, mais qui ne pratiquaient pas la loi, parce qu'il y avait quelque chose qui s'était produit à un moment donné. Et pour comprendre les choses, on va aller dans, effectivement, Romains 10, 12. Et là, il dit, parce que c'est, comme dit Olivier à un moment donné, il faut prendre tout! Parce que les gens qui ont écrit, ils avaient du plomb dans, ils avaient pas un vide dans la tête. Ils exprimaient quelque chose de profond. En l'occurrence, l'apôtre Paul, qui était un érudit, pharisien à l'origine, érudit. Parce qu'après, il n'était plus pharisien, après, il croyait en le Christ. Donc,
Il n'y a aucune différence entre le juif, et j'avais fait une vidéo sur ça veut dire le judéen, et le grec, et ça veut dire l'helléniste. Je vais pas, parce qu'il faudrait expliquer encore ça. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. À partir de, s'il faut voir l'origine du schisme qu'il y a eu en Israël, parce que c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il est dit que Christ est venu rassembler des brebis perdues de la maison d'Israël. Parce qu'il y avait deux royaumes. Il y avait un schisme, deux royaumes. Royaume du Sud, royaume du Nord. Royaume du Sud, il y avait trois tribus dedans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Où le royaume du Sud, il y avait trois tribus. Juda, Lévi et Benjamin. Juda, c'était la royauté. Lévi, c'était tout ce qui était la sacrificature. Donc, tout ce qui était les sacrifices, les temples et tout ça, c'était Lévi. Okay? Et quand on parle ici juif et grec, regardez, 10, 12, on parle de judéens. J'avais fait une vidéo déjà sur ça. C'est des judéens. Ça veut dire que c'est le royaume du Sud. Et les Grecs ici, c'est les hellénistes. Et les Noces hellénistes. Mais il faut savoir ce que c'est, les hellénistes. Ils n'étaient pas circoncis, point barre. Ceux qui étaient circoncis, c'était le royaume du Sud. Le huitième jour. Parce que pour être circoncis, il fallait faire un sacrifice dans le royaume du Sud. Le royaume du Sud et le royaume du Nord se détestaient. Parce qu'il y a une origine du schisme depuis. Le royaume du Sud les traitait d'idolâtres. Pour le royaume du Sud, c'était eux, les enfants du Tout-Puissant. Donc ils méprisaient aussi bien ceux qui avaient adopté la culture grecque dans le reste d'Israël, que ceux qui étaient restés dans le royaume du Nord. C'était ça l'origine. Donc quand il parle et dit qu'autrefois, on vous fait croire qu'il parle aux Romains, autrefois vous avez désobéi, il parle à ceux qui étaient à Rome, qui étaient des hellénistes, et il précise bien des hellénistes. Mais regardez comment, bon c'est juste comme ça, comment Good News Translation parle du verset 25. 10, 25. Je vais voir quel mot ils ont employé. Alors, 10, 25. Non, on peut regarder 10, 12 déjà. Oh, 10, 12. Et après, on ira voir l'autre. On va avoir le 11. Regardez. Il dit. Non, c'était ça que je voulais regarder. Il dit les Juifs. Bon, ils n'ont pas dit Judéens, ils ont dit Juifs, mais ils auraient pu dire ceux de Judée. Et les gentils. Il dit pas les païens. OK? Mais c'est pas l'objet, on ira voir ça après. Pour ceux qui comprennent mieux, ils savent déjà où je vais aller. OK? Mais on verra ça une autre fois si le Tout-Puissant le permet. Donc, il parle, puisqu'on est dans Romain, il est en train de parler à des Judéens et à des gentils. Ces gentils-là, dans la Bible, on constate que c'est ceux qui étaient soit qui étaient considérés comme des Grecs, sachant que c'était comme le système, la société romaine, c'était pas tout le monde qui était romain, et c'était pas tout le monde qui était grec, citoyen romain ni citoyen grec. C'est comme on dirait, t'as une carte de séjour, quoi. Mais t'es pas citoyen. Mais c'était la même chose. Donc, ces Romains qui étaient là, qu'on dit Romains, c'était simplement soit
ceux qui avaient abandonné carrément la loi et qui se retrouvaient à Rome, ou soit c'était ceux qui étaient, comment je peux dire, qui étaient métissés, métissés. Mais pour la circoncision du huitième jour, il fallait que tu ailles à Jérusalem, chez les voir les sacrificateurs, tout ça, parce qu'il fallait faire un sacrifice pour le huitième jour. Comment les gens du Nord allaient faire ça? Ils se détestent. Ils se méprisent même. Donc, quand l'apôtre Paul dit, de même que vous aviez autrefois désobéi au Tout-Puissant et que par leur désobéissance, vous avez obtenu miséricorde, donc il parle de deux désobéissances. Les hellénistes ont désobéi depuis le schisme dans 1 roi 12, et les judéens aussi ont désobéi parce qu'ils n'ont pas appliqué la loi selon l'esprit de la loi. Mais il n'était pas question la vie éternelle là-dedans. Bon. Ensuite, on va aller dans Ésaïe 19, 23, 25. Alors, bien que le Tout-Puissant fait grâce à qui il veut, il ne peut se renier, de même que le Christ, son envoyé, et modestement je dis mon sauveur, a dit qu'il fallait que notre justice soit supérieure à celui des scribes et des pharisiens. Il devrait être de même pour notre science par rapport aux gens du monde, en ce qui concerne les choses d'en haut. Qui dirait, qui aurait dit à cette époque que l'homme aurait eu la connaissance au sujet de l'ADN, par exemple, et la peau de groupe qu'aujourd'hui? Qui aurait dit ça? Personne n'aurait dit ça. Donc, quand tu parles, il faut que ce que tu dis soit supérieur à la science des hommes. C'est-à-dire que ce que tu dis ne contredit pas ce qui est factuel chez les hommes, dans ce monde. Pas de fable, pas de dogme. Okay? Okay. Donc voilà ce qu'il est dit à ce sujet. Alors, Ésaïe 19, 23-25. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens. Ah oui, j'ai oublié de dire que Ésaïe, c'est parmi les prophètes messianiques. Et je vais vous montrer. Et les Égyptiens avec les Syriens serviront le Tout-Puissant. En ce qui concerne Israël, lui, sera lui troisième. Alors on va dire, ah, le troisième. Non, 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 écoutez, écoutez, écoutez. Unis à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Le Tout-Puissant, le Seigneur des armées, la puissance des armées du céleste, en fait, les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Ça change pas. Ça change pas, comme j'ai lu avant là. L'appel là, ça change pas. Les dons, ça change pas. Mon héritage. Et Christ est l'héritier. Vous voyez le. Bon. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que ça va faire l'objet de d'autres vidéos, si le Tout-Puissant me le permet. Alors. Ensuite, parce que j'essaie de le faire rentrer en 2 heures. Ça. Alors. Si on va dans Romains 2, 16 à 20. Ok, c'est bientôt fini. Romains 2, 16 à 20. Il faudrait lire tout le chapitre, mais là, on n'a pas le temps. Ok? 16 à 20. Ce n'est pas que je veux pas. 16 à 20. Regardez. Et on vous dit, au verset 11, par exemple, car devant le Tout-Puissant, il fait point acception de personne, etc. Mais regardez le verset 10.
Gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement, puis pour le grec. Et je vous assure, c'est la même chose, c'est le judéen et l'helléniste. Il parle toujours de ça dans Romains. Il parle pas du monde entier. Il parle pas du monde entier. Plaise au Tout-Puissant que tous ceux, même toi Olivier, ou d'autres personnes, je le mets au défi dans le livre de Romains, s'il parlait du monde entier, montrez-moi où est-ce qu'il parlait du monde entier. Ceux qui ont écrit, c'était des érudits. C'était des... Par exemple, quand on prend ce cas-là, l'apôtre Paul était quelqu'un qui savait lire et écrire, qui savait des langues, qui savait tout ça. C'était un pharisien à l'origine. Il savait de quoi il parlait. Sinon, il aurait mis le monde entier direct. Boum. Il a mis juif, premièrement. Donc, les judéens, premièrement. Il y a une historique, j'ai essayé d'être ludique. Puis, pour les grecs. Car le Tout-Puissant, car devant le Tout-Puissant, il y a point d'acception de personne. Mais quand vous regardez le contexte immédiat, il parle des juifs et des grecs. Il parle pas du monde entier. Non, mais on va lire, comme j'avais dit, de 16, 16, 16 à 20. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, le Tout-Puissant jugera par le Christ les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes des hommes. Il jugera pas la loi, les actions secrètes des hommes. Bon, je le répète juste pour. Bon, Olivier, lui, il fait des ponctuations. Armando, il fait ça. Tel fait ça. Moi, je répète plusieurs fois s'il faut. Alors, les actions secrètes des hommes. Sachant que le verset plus haut, il parle des Juifs et des Grecs. Okay? Toi qui te donnes le nom de Juif, ah, voilà, ça commence. Qui te repose sur la loi, qui te glorifie qui te glorifie du Tout-Puissant. Qui connaît sa volonté? Qui connaît sa volonté? Qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi? Instruit par la loi. Quand il dit instruit par la loi, est-ce que vous pensez que de quelle loi il parle là maintenant? Parce que le premier scientifique, c'est le Tout-Puissant. Quand il dit la loi des impuretés, la loi de ceci, la loi de ce, c'est une science qui est là. C'est une science. D'ailleurs, la Bible dit, c'est une science. Toi qui te flattes d'être conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants. Ouais, là, il a changé. Mais moi, j'aurais pas fait pire. Parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Dans la loi, tu as la règle de la science et de la vérité. Ça changera pas. Il n'a pas dit de la vérité de l'époque. Il n'a pas dit la science de l'époque. Il parle, comme il le dit dans Romains 7, la loi, elle est spirituelle. Donc elle est éternelle. La science de la loi est éternelle. La science de la vérité, elle est éternelle. C'est absolu. Mais c'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème? C'est que lorsqu'on parle, en plus, vous le citez tout le temps, ça. Qui a été révélé dans Macha? C'était une image de la vraie chose. C'était la pédagogie pour nous amener à la vraie chose. Prenons un exemple. Vous prenez un enfant de 4 ans, tu lui apprends 1 plus 1 égale 2. Et tu prends des jouets, des petits jouets, des billes, des trucs comme ça, parce que tu lui apprends à compter. 1, 2, 3, 4.
Ça, c'est une pédagogie. Mais ça ne changera jamais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne changera jamais 1 plus 1 égale 2. Moi, je parle dans la science des hommes, là. Ça ne changera pas, en fait. Donc, il va te dire, à 4 ans, tu lui apprends. Quand il aura 20 ans, il ne va pas aller prendre une bille plus une bille pour dire c'est égal à 2. Il va prendre soit son cellulaire maintenant, soit son ordinateur, soit il va faire un calcul mental, mais il va te dire, la pédagogie que j'ai eue, c'était avec des billes. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous croyez, lorsqu'on dit la loi n'a pas changé, etc., qu'on est en train de parler du support qu'on a révélé à Macha. Et c'est ça que j'ai reproché un peu à Olivier, parce qu'il a continué à dire waouh, 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 là il parle, c'est plus dur que la loi révélée à Macha. Mais Christ parlait de l'esprit de la loi. Comment ça devait être pratiqué? Mais on verra ça plus tard. Mais c'était pas qu'il n'était pas contre ça. Ensuite, on va aller dans. Ah, je vais finir là. Parce que dans Ésaïe 53, on va lire de 1 à 12, on va prendre notre temps, et après on va aller, et puis on va finir là-dessus. Alors c'est quoi le dernier? On va aller dans Hébreu. Donc, Ésaïe 53, oh non, oh non. Attendez. 1 à 12, j'aurais dit. OK. Qui a cru, 1 à 12, Ésaïe 53, 1 à 12. Qui a cru qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras du Tout-Puissant, de l'Éternel? Il s'est élevé, donc il parle de quelqu'un, et on vous dit, c'est le bras du Tout-Puissant. Okay? C'est le bras de l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel. On vous dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Bon, il faudrait parler d'un concept bien particulier, mais on n'a pas le temps là. Regardez le temps que j'ai pris, rien que pour la première partie d'introduction. Okay? Et je vous assure, à part une demi-heure que j'ai pris là pour parler de l'actualité, sachez que tout ce que je dis là, par la grâce Tout-Puissant, ça a une importance parce que on va l'utiliser plus tard. Et à ce moment-là, Olivier pourra dire allègrement que je suis un plaisantin. J'ai pas de problème avec ça. Surtout que la manière qu'il dit ça me fait rire. Franchement, ça me fait rire. Ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas qu'il a dit ça par méchanceté ou par condescendance. Non, ça me fait rire. Franchement, ça me fait rire. Surtout qu'il fait la ponctuation quand il dit ça. Franchement, je suis pillé de rire. J'espère que si un jour on se rencontre, tu vas pas me faire ça, Olivier, parce que je vais être pillé de rire et puis j'espère que tu vas pas mal le prendre. Alors, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Donc, le bras du Tout-Puissant s'est élevé devant le Tout-Puissant comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alors, souvent les gens prennent ça, il faudrait encore étudier tous les mots en hébreu. C'est pas que le Christ était laid, parce que j'ai entendu des gens me dire ça, c'est pas ça en fait. C'est que c'était pas mis en avant. C'est pas qu'il était laid. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Donc, il faut bien comprendre. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que il n'était pas au-dessus des hommes. Enfin, d'aspect. Il n'était pas au-dessus des hommes. Mais je vous assure, dans les cieux, il est au-dessus de tous les hommes. Donc, c'est pas de ça qu'on parle. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui
dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà la réalité. Cependant, ce sont nos offenses qu'il a portées. Voyez, Ésaïe parle de ça comme du messianisme. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré. Il n'était pas puni en fait. Frappé du Tout-Puissant et humilié. C'est un peu ce qui s'est passé avec Job. Tout le monde a dit que Job avait péché et Job péchait pas en fait. Mais là, c'était une image du Christ, Job. Mais là, ici, on parle vraiment du Christ, du roi. Mais il était brisé pour nos péchés, toujours pour nos péchés, toujours pour nos péchés. Il porte nos péchés, il est brisé pour nos péchés. Et dans le contexte dont Ésaïe parle, il est en train de parler de la transgression de la loi. Il est en train de parler de la transgression de la loi révélée à Machar. Mais de quoi parle-t-il exactement? On verra. On verra. Brisé, parce qu'il dit quand même que le Christ va juger, au temps convenable, les actions cachées ou pas cachées d'ailleurs, des hommes. C'est ça qu'il dit. Il ne faut pas interpréter ce qu'il a dit. Brisé pour nos iniquités. Bon, les iniquités, c'est tu sais très bien ce que tu fais en fait, en gros. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix. Donc, Ésaïe savait, c'est pour ça que certains croyaient comme les pharisiens, croyaient en la vie éternelle. Ils savaient. Pourtant, la loi de Macha ne te donnait pas la vie éternelle. Mais comment ça se fait qu'il y avait des Israélites de l'époque qui croyaient en la vie éternelle? Pourtant, on leur dit, il fallait que tu respectes quand même la loi de Macha. La loi révélée à Macha. La loi révélée à Moïse. Comment ça se fait? Tu ne savais pas ce qu'il disait? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc il parle de la période. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tordent. Il n'a point ouvert la bouche. Pourquoi? Parce que il devait dire ce que son père a dit de dire. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, en lui était le oui, l'affection du père. Christ est un Eloah engendré, ou un esprit engendré, pour faire la volonté du Père, la volonté du Tout-Puissant. Et je dis, quand je dis le Père, je parle du oui. Alors que le diable a été créé pour manifester la colère du Père. Prenez-le comme vous voulez, c'est pas l'objet là, mais c'est juste pour vous dire, les choses sont logiques en fait. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? C'est le péché de son peuple, pas le péché du monde entier. Mais si, quand son peuple va se réconcilier avec le Tout-Puissant, par la volonté du Tout-Puissant, alors toute la création va se réconcilier avec lui. Mais après, il y a des choses que le Seigneur va détruire, d'autres que le Seigneur va restaurer, etc. Mais c'est d'abord le peuple du Seigneur qui doit être restauré, rétabli, pour que tout le reste puisse en bénéficier. C'est comme ça, voilà.
On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'y eut un point commis de violence et qu'il n'y a eu point de fraude dans sa bouche. Bon, si vous voyez l'évangile, c'est la même chose. On l'a mis dans un tombeau de riche, etc. Il a plu au Tout-Puissant de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Toujours pour le péché. Mais il parle de quoi? Parce que c'est ça le problème. Il verra une postérité pour le rangera ses jours. Et l'œuvre de Tout-Puissant prospérera en ses mains. Bon, il parle des 1000 ans là. Parce qu'après, il va le remettre, tout le royaume. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards par sa connaissance. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. Ça, c'est quand même très important, en fait. Contrairement à ce qu'on pense, c'est très, très important, ce verset-là. À cause du travail de son âme. Bon, comment ça a été traduit ici? On va prendre le texte en hébreu. Est-ce qu'il parle d'âme? Oui. C'est ces trois lettres-là. Napasha, Napasha. Le quatrième, c'est pour dire de lui, là. Napasha. Donc, c'est vraiment âme. Son âme. Vous comprenez pourquoi j'ai fait quelque chose sur l'âme? Pour les gens qui disent, mais pourquoi tu parles de l'âme? Pourquoi tu parles de l'âme? C'est primordial. Et on vous dit, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Je ne vais pas vous dire n'importe quoi parce que il y a des problèmes de version chez moi. Hein, parce que ici, c'est 11. Et là, ah, c'est ici, pardon. Donc il le répète ici, mais c'est pareil ici. C'est ce que je voulais dire. Le travail de son âme. OK? Âme. Napasha. C'est toujours pareil. Napasha. Napasha. J'ai pas regardé d'autres choses parce que je voulais focaliser sur ça, ok? Mais c'est pas pour cacher quoi que ce soit, en fait. Ça me plaît plus de rien cacher à ce niveau-là pour montrer que la parole est logique, en fait. Voilà. Donc, on parle bien de l'âme. Par contre, qu'est-ce qui a été écrit? Bon, qu'est-ce qui a été écrit de ici, dans une autre version? Parce que ça a son importance, c'est pour ça que je le fais, hein. À cause du travail de son âme, je vais prendre Martin, parce que j'aurais pu aller ailleurs, mais ça va me prendre trop de temps, quoi. C'est quoi cette pub là tout le temps? Il jura du travail de son âme. Bon, Darby, qu'est-ce qu'il dit? Il verra le fruit du travail de son âme. Observal. Il jura du travail de son âme. King James. Qu'est-ce qu'il dit, King James? Et Saul. Okay? C'est toujours travail. C'est toujours la même chose. Okay? Il verra. Bon, il verra, en fait. Travail de son âme. C'est toujours pareil. Donc, qu'est-ce que dit maintenant Good News Translation? Ésaïe 53, 11. Bon, c'est pas pour dénigrer, parce qu'il y a des bonnes traductions, même les témoins de Jéhovah. Tout le monde a des parties qui sont des bonnes traductions, mais il y a des parties qui sont mauvaises. C'est comme ça. Donc, je vais voir ici. Je vais le mettre en français, parce que la plupart ne parlent pas l'anglais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Okay. Après une vie de souffrance, il aura à nouveau la joie, il sera, etc. Âme à sauter. Donc vous voyez pas ce que ça veut dire dans le paradigme, dans le paradigme hébraïque. Vous ne voyez pas. Le fait qu'ils disent à cause du travail de son âme. Là, il y a eu des petites différences. Il jura du travail. Non, 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 non.
à cause du travail dans son âme, il rassasira ses regards. Le il, c'est le Tout-Puissant qui rassasira ses regards. Ou lui-même, parce qu'il a été béni, en fait. Mais c'est à cause du travail de son âme, pas la mesure d'esprit que le Père lui a donnée, que le Tout-Puissant lui a donnée, c'est son âme. Donc Christ, quand il est venu en chair, il avait son âme. Sinon, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que tous ceux qui ne reconnaissent pas que Christ est venu avec son âme, ça veut dire lui-même, c'est pas le Père, son âme, Christ. Ce que Jean a répété plusieurs fois, ce sont des antichrists qui sont là. C'est pas parce que les gens sont séduits, qui racontent des trucs là, non, 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 non. Les écritures sont claires. Et ceux qui ont écrit savaient ce qu'ils écrivaient. Même si une partie des apôtres n'était pas instruits, les scribes qui ont écrit étaient instruits. Ils savent pourquoi ils ont écrit comme ça. Parce que les apôtres qui leur disaient ou les gens qui répétaient oralement savaient très bien ce que ça veut dire. Parce qu'ils ont eu tout le temps qu'on leur explique. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, etc., etc. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Mais les coupables de quoi? Ceux qui ont transgressé la loi. C'est qui? C'est les héritiers. Avec le schisme et tout ça. Les hellénistes. C'est pour ça que Paul dit d'abord les judéens, ensuite les hellénistes. Et comme eux, ils veulent tromper parce que leur père, c'est le diable, ils viennent nous vous dire que c'est pour tout le monde. Alors que les Écritures disent le contraire. Donc, il faut comprendre ces choses-là, ok? Il faut, avant de dire plaisantin, machin, ceci, cela, il faut comprendre tout ça. Bon, on va finir avec, parce que c'est ça qui est intéressant, mais je dois le faire. C'est la conclusion comme une introduction à l'autre. Dans Hébreux 9, 11, voilà ce qu'il est dit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois, ouais, il est rentré une fois pour tout dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, un rachat éternel. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour l'instant, mais ici, on vous dit que Christ est souverain sacrificateur. Donc, quand il dit dans Matthieu, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir, si on prend le terme accomplir, dans le sens qu'on veut dire, et que Christ, dans Romains, est la fin de la loi, il parle des sacrifices d'animaux. Il parle pas de toute la loi. Et je vais vous le prouver, en fait. Il parle des sacrifices d'animaux. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc c'est ça qu'il a accompli. C'est ça qu'il a accompli. Oh, Olivier, c'est ça qu'il a accompli. C'est ça qu'il a accompli. Ensuite, verset 14, il dit, combien plus le sang du Christ qui, par un esprit éternel, donc la mesure d'esprit qu'on lui a donnée, s'est offert lui-même sans tache au Tout-Puissant, faut pas oublier, à cause du travail de son âme, à cause du travail de son âme, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Non, non, pardon. J'ai sauté un truc, j'ai voulu aller vite. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés, donc il parle de toute l'œuvre des sacrificateurs, sanctifie et procure la pureté de la chair. C'est ça, la pureté de la chair. Mais on va aborder un mot que souvent les gens, souvent les catholiques, on va dire de façon globale, néglige.
combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert à lui-même, sans tache ou toute puissance, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Tout-Puissant? Des œuvres mortes, du péché, des œuvres mortes, des œuvres mortes. Et les œuvres que tout homme, les actions de tout homme pratiquait là, c'est pas le sacrifice des animaux. Parce que c'était les Lévites qui le faisaient à leur place. C'était ce qu'ils faisaient dans leur âme. Et Christ n'a pas péché là. C'est pour ça qu'on parle de la conscience. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes qu'il y a dans la conscience? C'est pour ça qu'on dit que Christ est venu ôter le péché. Et après, on dit qu'il est le médiateur et tout. Mais, donc là, ici, dans Hébreux 9, on explique que la loi révélée à Macha, c'est pour, avec les sacrifices d'animaux, c'était pour vous purifier, non, pour vous justifier. C'est ce terme-là qu'on sous-estime. Christ est venu justifier. Les sacrifices d'animaux, les sacrifices, peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas vous justifier devant le Tout-Puissant en étant juste. Que ce soit avec la loi de Macha, que ce soit avec la loi révélée à Macha, que ce soit la loi révélée par le Christ. La loi révélée à Macha, c'était pour 120 ans. Là, c'était la purification de la chair. Hébreux 9, 11. Ouais, Hébreux 9, 11 à 14. Pareil pour Christ. Christ est venu justifier, donc faire les sacrifices, donc se sacrifier, ce qu'a dit Ésaïe 53, afin d'hériter la vie éternelle. Et pour hériter la vie éternelle, il faut régler le problème de l'âme. Parce que, avec la loi révélée à Macha, c'était pour la purification de la chair, pas de l'âme. Le péché était encore dans l'âme. C'est pour ça qu'il fallait faire les sacrifices d'expiation et les autres sacrifices tous les ans. Parce que l'âme était bourrée de péché là-dedans. Prenons un exemple factuel. Quand on jugeait, par exemple, l'adultère. Tu ne pouvais pas, c'est pas parce que quelqu'un qui ne commettait pas adultère, ça veut dire qu'il a sa chair n'avait pas été faire une seule chair avec quelqu'un d'autre. Donc il n'avait pas le droit. Ça, c'est la chair. Mais avec Christ, c'est pour ça qu'il le dit il le précise à un moment donné dans Matthieu. Il dit, celui qui commet adultère, c'est celui qui pense déjà commettre l'adultère dans son âme. Ça, c'est adultère. Donc, il parle de l'âme. Christ, dans Matthieu 5, parle de l'âme. Il ne parle pas de la chair. C'est pour ça qu'il explique. Mais bon, on verra ça plus tard. Alors que, dans l'Ancienne Alliance, en tout cas la dispensation de Macha, de Moïse, quand tu commettais un adultère, c'était que ta chair a commis un péché. Ça veut dire, tu as commis ça avec ta chair. Alors qu'avec le Christ, t'as pas besoin de la chair. Non, on regarde l'âme. C'est pour ça que Christ dit, je suis venu ôter le péché. C'est pour ça qu'il a porté le péché. Puisque c'est le Créateur qui a mis le péché dans la chair. Dans le corps. Les Grecs vont dire dans la chair, parce que pour eux, il y a une différence entre chair et corps, alors que les Hébreux, dans leur paradigme, va dire, a mis dans le corps, parce que pour eux, la chair et le corps, c'était pareil. Mais ce n'était pas dans l'âme. Le Créateur n'a jamais mis le péché dans l'âme de l'homme. Il l'a mis dans le corps. Mais c'est parce que l'âme s'est désolidarisée de la mesure d'esprit, que l'âme, c'est pour ça que le Créateur dit dans Genèse 6, 1 à 3, que l'homme n'est que chair.
Il n'a plus d'âme. Il est bourré de péché. Pourquoi? Parce que la chair ne peut pas, n'a pas de conscience. Prenez un exemple. J'avais déjà pris cet exemple. Vous mettez un bandeau et puis quelqu'un vient vous caresser la main. Vous allez sentir que c'est doux, c'est tout. Mais si on enlève le bandeau et vous voyez que c'est un monstre qui vous caresse comme ça, vous allez être choqué parce que vous avez un petit peu de conscience. C'est pour ça que quand vous voyez des gens avec des dépravations sexuelles, des trucs bizarres, qui pratiquent des trucs bizarres, ils ont du plaisir en se faisant mal, des trucs comme ça. C'est parce qu'ils ne sont que chair. Voilà. J'essaie d'être ludique. Donc voilà ce qui se passe. Mais avant de finir complètement, on doit revenir à certaines choses. Attendez. Je ne sais pas si ça va me donner ce que je veux là. Oui. Attendez. OK. Ça n'a pas fait ce que je voulais. Un peu. Oh non. Faut pas que ça coupe. Faut pas que ça coupe. Ok. Voilà. La loi et les prophètes. J'avais dit il y a quelques mois déjà, peut-être des années, je ne sais pas. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. La loi, c'est dans Lévitique, enfin, la loi révélée à Macha. Donc, avec la décomposition que je propose, Deutéronome 28, 30 vous explique les récompenses et les punitions, ou les malédictions et les bénédictions. Voilà, je propose une décomposition, mais bon, elle peut être autrement. Il y a d'abord la loi des sacrifices ou la loi sacrificielle. C'était les Lévites qui le faisaient, ça. Et là-dedans, c'était les Lévites qui géraient ça aussi, la loi des fêtes ou des convocations ou les lois cérémonielles. Mais tout ça, c'était pour le culte. Okay? C'était pour le culte. Mais il y avait toute la loi sociale ou les lois sociales, les lois, on va dire, sociétales, les rapports entre les personnes. Okay? Ça, c'est ce que Christ a résumé en disant, ben, aime ton prochain comme toi-même. Et il a résumé la première partie en disant, tu es moi, le Tout-Puissant, lui et lui seul, ou tu lui rendras un culte à lui seul. Donc, les deux premières parties, tu peux le faire autrement, mais il y a d'autres manières de le présenter. Okay? On verra ça. On va essayer de finir ça. Donc, dans Galates 5, 22 à 26, on vous parle des œuvres de l'esprit, ou la loi de l'esprit, ou de la vie, et de la vie. On vous explique ce que c'est. On ne va pas le lire parce que ce n'est pas l'objet. Et on vous dit dans 19, Galates 5, 19, 21, le fruit de la mort, le fruit du péché et de la mort. Bon, parce que c'est un fruit. Il y a le fruit de la vie ou le fruit de l'esprit et le fruit de la mort. Okay? C'est un fruit avec plusieurs aspects, mais c'est comme ça. C'est pour ça que quand les gens disent le Tout-Puissant est pluriel, ça me fait rigoler. C'est le Tout-Puissant. Même s'il a sept esprits, mais c'est le Tout-Puissant. C'est comme ça. Voilà. Donc, ensuite, on va aller voir ici. Maintenant, voilà, c'est une introduction à l'autre partie de l'introduction que je vais faire. Okay? Mais j'étais obligé d'aller jusque-là parce que c'est comme ça. Avant de parler de la loi révélée à Macha, il y a des choses qui sont faites avant la loi. Il y a la Pâque. Avant de révéler la loi, il y avait la Pâque. Et avant la Pâque, il y avait la circoncision. Et c'est à partir de la circoncision, enfin, non, ouais, il y avait la circoncision. Mais c'est, on a fait, le Tout-Puissant a fait une alliance avec Abraham, basée sur la foi, sur l'obéissance de ce que le Créateur lui avait dit. Ça a son importance, ok? Et pour signe de l'alliance, le Créateur a donné la circoncision. On est d'accord?
Donc, tout le monde, Abraham et tous les autres, ils se sont circoncis. Mais c'était un signe de l'alliance. Ensuite, il y a eu la Pâque, la première Pâque, qui était la sortie d'Égypte. Et cette Pâque était pour libérer le peuple de la main de la puissance de l'Égypte ou du Dieu de l'Égypte. Et ensuite, il y a eu la commémoration de cette Pâque dans la loi révélée à Macha. Maintenant, je vais faire comme ça pour que vous voyez bien. OK. Donc, j'ai mis ici la circoncision de la chair, signe de l'alliance. Et pourquoi j'ai mis les Pâques? Parce qu'il y a deux Pâques. Il y a la Pâque en Égypte, il y a la Pâque en Israël. Et je m'explique, je vais même m'expliquer. La loi révélée par Moïse, Machaa, ou Moïse, il y avait les œuvres de justification, c'est ça qui est important. Pour être justifié, c'était pas le reste qu'on faisait, il y avait des œuvres de justification, et il y avait les sacrifices, la dîme, c'était pour les sacrificateurs parce qu'il fallait les nourrir, et les services cultuels. Et il y avait un sacrificateur et des sacrificateurs. Voilà ceux qui pratiquaient les œuvres de justification qui étaient les sacrifices. Donc, il y avait un sacrifice important au septième mois, dixième jour, qui était, je pense, le dixième jour, qui était l'expiation pour les péchés. Mais on voit dans Hébreux 9, on vous explique clairement que c'était pour la purification de la chair. On est d'accord? OK. Ensuite, il y a d'autres lois qui étaient là. Je ne parle pas des coutumes, des trucs comme ça, je parle des lois. C'était des lois, on va dire, les œuvres de la vie ou les bonnes œuvres ou les œuvres de l'esprit. Puisque dans Romains 7, on vous dit que la loi est spirituelle. Donc, et ce qu'on va juger, c'est les actions des hommes. Je vous ai montré, c'est les actions des hommes. Donc, les actions des hommes, c'est ce que Christ a résumé en disant, aime ton prochain comme toi-même. C'est les lois sociales. Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas manger, tu dois pas tricher, tu ne dois pas manger comme un glouton, tu ne dois pas faire ceci. Et il y avait, on avait même donné des lois pour la nourriture. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le plus grave, l'une des choses le plus grave, des arrêts cardiaques, des trucs comme ça, et surtout dans la communauté mélanoderme des Noirs, c'est qu'on mange de la merde, excusez-moi du terme. On mange n'importe quoi. Plus le stress, plus je sais pas quoi, ça tue. Et une des choses que les cardiologues, quand tu as tendance à faire, pas du cholestérol, mais à faire des problèmes cardiaques, des trucs comme ça, on vous dit, à un certain âge, des fois c'est à 40 ans, des fois c'est à 50, des fois, bon, d'arrêter la charcuterie. Et la charcuterie, c'est essentiellement du porc. Donc, il y a bien des choses qu'on peut manger, des choses qu'on ne peut pas manger. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. Il y a bien des animaux impurs. Alors, qu'est-ce que le Créateur avait dit? Des animaux impurs, c'est pas que les animaux étaient mauvais, tout ça, non. Impurs au sacrifice, mais impurs à la consommation. Mais il y avait une raison. Je vous ai montré que la loi expliquait la science, non, les règles de la science et de la vérité. Maintenant, si vous ne voulez pas le faire, ben, ça veut dire que vous respectez même pas non plus une bonne partie de la science des hommes. Donc, ni le Seigneur, ni les hommes, vous allez crever. Et on voit ça en Amérique du Nord. Olivier, tu vois comment nos sœurs, on va dire couleur de peau là, on aurait dit des camions pour certaines. Mais ça veut dire qu'elles sont malheureuses. Arrêtez. Elles vont pas le montrer, mais elles sont malheureuses parce qu'elles mangent des seaux de poulet, on ne sait même pas où le poulet est sorti.
Elles mangent n'importe quoi. Il y a même des hommes comme ça. Donc il faut arrêter de nier la réalité. Et quand je dis ça, une bonne partie d'entre eux, ils ont Jésus sous les lèvres. Hein. Donc le Seigneur ne les aime pas pour les foutre des problèmes cardiaques, des trucs comme ça, plein de trucs. Mais il suffit qu'ils aient voir un nutritionniste, on va lui dire d'arrêter ça, arrêter ça, arrêter ça. Ils vont revenir à la loi du Seigneur. Et ça, c'est la puissance du Seigneur qui est là. Mais on vous parle. Pourquoi j'ai mis les œuvres de la vie? Parce que l'apôtre Paul parle des œuvres mortes, ou les mauvaises œuvres, ou les œuvres de la chair. Dans Galates, ailleurs, on parle des mauvaises œuvres. Et c'est les mauvaises œuvres dont il parle, l'apôtre Paul, c'était parce que dans la parole, on dit, le Seigneur nous a préparé des œuvres dignes de la repentance. Il parlait, vous enlevez les œuvres de justification. Les autres lois, c'est les bonnes œuvres qui sont là. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la loi, elle est spirituelle. C'est pas parce que tu vois loi que ça, que les apôtres parlaient toujours de la même partie de la loi. Ce n'est pas ça qui est là. Bon. Maintenant, si on fait le parallèle avec la loi révélée par le Christ, par Yahshaï, selon la convention que j'utilise, si je dis Yahshaï, c'est le Sauveur. Mais si je dis Yahshaïa, le Yah là, c'est of me, c'est mon Sauveur. Okay? Il y a toujours, si on fait le parallèle, les œuvres de justification. Il devrait avoir les sacrifices, la dîme, les services cultuels, faits par les sacrificateurs, le souverain sacrificateur. Donc, Christ a fait sa partie. Donc, le sacrifice du septième mois, l'expiation, tous les sacrifices là, il a donné son sang. Le sang d'un animal ne peut pas supplanter le sang de celui qui n'a pas péché. Ésaïe 53. L'œuvre de son âme. C'est pour ça qu'il est rentré, son âme est rentrée dans le lieu très saint, en tant que souverain sacrificateur et en tant qu'agneau. C'était son âme qui est rentrée là-bas. C'est pour ça que Jean dit, tous ceux qui ne croient pas que Christ est venu en chair, c'est-à-dire il a son âme dans son corps, ce sont des antichrists, parce qu'ils vont nier l'œuvre du Christ. Indirectement, ils sont en train de frapper une deuxième fois sur le rocher avec quelqu'un d'autre. Ils vont être déchiquetés par le Tout-Puissant, en fait. Donc continuez comme ça, tant pis pour vous. La dîme. On n'a plus besoin de la dîme. Parce que il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrificateurs qui sont dans le temple, dans l'image qu'on avait donnée du temple. Et pourquoi on dit que c'était une pédagogie? Effectivement, Christ est venu accomplir les œuvres de justification ou l'œuvre qui nous justifiait devant le Père. Mais les œuvres mortes, les bonnes œuvres de la vie, tout ça, c'est resté là. C'est pour ça que dans Galates, on vous dit ça. C'est pour ça que Christ parle de ça dans Matthieu 5, 6, peut-être 7. C'est pour ça qu'on parle de ça. Qu'il faut pas voler, il faut pas tricher, il faut pas tuer, il faut pas machin. C'est pour ça qu'on parle de ça. Mais on parle que dans ton âme même, tu dois pas penser le mal, tu dois pas pratiquer le mal. Ces lois sont toujours là. La chose qui a été accomplie par le Christ, c'est l'œuvre de justification, les œuvres de justification. Il a justifié des hommes. Il a justifié son peuple. Justifié. Sous la loi de Macha, révélée à Macha, et je vais m'arrêter là, les sacrificateurs, à travers les sacrifices, justifiaient et ils apportaient le sang et tout ça, c'était l'âme des animaux à travers le sang, parce que c'était pour justifier la chair. C'est pour ça qu'on parle du sang comme ça, là. Parce que le sang, la manière qu'on voit le sang, là, qu'on voit le sang rouge, là, c'est la chair qui est là. C'est la chair sur le corps. Mais il y a une partie qui n'est pas la chair de l'âme,
qui n'est pas le sang de l'âme. Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux, ne peuvent hériter la vie éternelle. C'est pour ça que l'âme, la partie invisible de l'âme, Christ est rentré dans le lieu très saint avec. C'était lui-même. Et il y a même un certain corps, mais qui n'est pas le corps éternel, éternel. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, ça va compliquer. Mais les œuvres mortes sont toujours les mêmes. Les œuvres de la vie, ou les œuvres, les bonnes œuvres, sont toujours les mêmes. Les bonnes œuvres, c'est les œuvres de l'esprit. Et la loi n'est pas contre ces choses. Quand il dit la loi n'est pas contre ces choses, ça veut dire que la loi, comment je peux dire, la loi en dehors de tout ce qui concerne la justification, la loi n'est pas contre ces choses. Et c'est pour ça que tu n'es pas sous la loi. Tu n'es pas sous la justification de la loi, c'est-à-dire tu n'es pas sous la justification. Enfin, ce qui représentait vraiment le clou de la loi révélée à Macha, qui était la justification par des animaux. Si tu as Christ pour la vie éternelle, que ce soit dans la foudre de 120 ans, c'est la justification que Christ est venu accomplir. Mais tu dois toujours pas mentir, pas voler, pas tricher, pas commettre adultère. Mais là, on vous dit maintenant, il faut même pas que dans ton âme, il y ait ça. Pourquoi? Parce que Christ, en donnant sa vie, il a maintenant, il va enlever le péché. C'est pourquoi Jérémie a dit, je mettrai ma loi dans vos cœurs. Et c'est pour ça que ça a été accompli par Christ. Quand le Saint-Esprit arrive et rentre dans, en nous, soit avec nous, avec en nous. C'est pour ça qu'on dit que la loi est toujours valide. Mais dans la loi, même si tu crois en le Christ, il faut, ça veut dire que si tu dis que tu crois en le Christ, tu as été justifié par le Christ. Ça veut dire que tu es israélite, tu es un héritier, etc. Bref, tout ça là. Ça veut dire que le Créateur t'a choisi. Bref, Christ enlève le péché dans l'âme. Mais c'est quoi le péché? C'est la transgression de la loi, révélée par Macha. C'est pas la transgression de la transgression dont on parle dans la loi, c'est pas les sacrifices d'animaux. Ça, c'est des œuvres de justification. Sur ce, je m'arrête là. On va partir de ce postulat-là. Puis, vous pourrez toujours dire que je suis... Ah oui, pour la Pâque, la deuxième Pâque que j'ai pas dit, c'est le Christ. Parce que Christ a tout ce qui est justification, Christ l'a accompli. Donc Christ, c'est pour ça que lui-même est notre Pâque. Ce qui est dit dans les Écritures aussi, pareil. Mais cette fois-ci, ça englobe même la Pâque qui s'était passée en Égypte. Ça englobe même ça. Là, c'est pas seulement la puissance d'Égypte qu'on n'est plus leur serviteur. C'est la puissance de celui qui est dans ce monde. Nous sommes plus son serviteur au nom du Christ. Il doit me lâcher, il doit nous lâcher. On n'a pas à le servir. Et pour ne pas le servir, il fallait que quelqu'un paye. C'est Christ. Et dans la loi des Hébreux, des Israélites, il fallait que c'est quelqu'un de ta famille qui paye pour toi. Mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais sachez que Christ est venu accomplir des œuvres de justification, et notamment, il nous a justifiés. C'est pour ça que le Créateur nous voit... Parce que quand le Père parle, quand le Tout-Puissant parle, il parle comme si la chose était faite. Donc, si nous croyons en le Christ, selon les conditions du Père, bien sûr, il nous voit comme juste. C'est pour ça qu'on demande quelque chose au nom de Christ, il nous le donne. Sur ce, je vous dis, Shalom.